Bonsoir. Coucou Laurine, coucou Arcalia, coucou Abstrait, coucou Grundy, coucou Néo, coucou Julie, coucou Rosemika et bienvenue à toi sur les lives. Coucou Colo Disney, coucou Tiffany, coucou Sandili, coucou Pastèque, coucou Maïsa, coucou Juju, coucou Mélo, je vais m'essouffler là. Et coucou Harry Player aussi. Bonsoir tout le monde. J'espère que j'ai oublié personne. Je vois que vous êtes au taquet pour la battle, vous avez tous sorti les épées et les boucliers là, à ce que je vois. Ah, j'ai ma guirlande qui a lâché. Merci Champiloutre pour ton follow, bienvenue à toi. On fait du coloriage. Installe-toi. Installez-vous tout le monde. Sortez-vous un petit colo pour ce soir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous allez faire. Allez, on se lance. Bon, en attendant la battle, je vais faire commencer la base des montgolfières. Voilà, je me suis dit, ça va être chill. Bonjour Carole, et au moins ça me fera quand même avancer un petit peu avant. J'ai pas réfléchi à mes couleurs, donc... Très bon Arcalia, c'était très bon. Alors là j'avoue que... Ouh, je me sens lourde. Oh, trop cool Néo. Ça c'est du petit colo ça. Oui, go Julie. Coucou Mel. Bah moi je les finirai demain les montgolfières, parce que demain je suis là, donc... Je suis dispo. Ah oui, on avait fait ça derrière. Je me souviens. J'ai pas du tout réfléchi, donc on va partir sur un truc classique. Ah mais là, Abstrait, je suis overblindée là. Je sors de table là. Ah, attendez, je vais vous enlever. Je vais vous enlever le son de l'ordi pour pas que vous ayez trop de musique. Ok, mais ça marche. Bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé encore. Moi, je vais digérer avec vous, comme d'hab. Non, là, c'est dur quand même. En termes de calories, c'est dur, là. Là, entre le kebab et le goûter de 17h30, qui était genre une gigantesque fougasse croissant, là, je crois que j'ai un peu exagéré. Pas de colo pour moi. Pas de soucis, Colo Disney. Bah, j'espère que tu vas bien te reposer avec nous en regardant toutes les merveilles. On a une cinquantaine de colos à regarder. Voilà. Donc... Ça chauffe Arcalia. Bon app. Bon app en avance. Légèrement. Ouais. Bonsoir Kiniki. Alors, pour les feuilles. Et bah écoutez, venez on fait de la one again. Comme mardi, j'aime bien la one again. Pas de soucis, Laurine. Fais comme tu peux. Dans 25 minutes, je lance les prédictions pour la battle. Je vous rappelle que la battle, c'était industriel contre nature. Si vous voulez commencer déjà à réfléchir à qui va gagner à votre avis sans le dire aux autres. En plus, vous pouvez vous tromper. Donc. Salut, Matt. T'es crevé Juju, oh non. Bon, j'espère que la battle ça va vous faire passer une bonne soirée malgré la fatigue. Coucou Yasmine. Je gagne dans tous les cas, t'es la pire. T'es vraiment la pire Arcadia. J'espère que t'es consciente que t'es la pire. Y'a quoi derrière? Ah oui, les insectes. Coucou Champiloutre. Alors, la battle, c'est un petit challenge qu'on s'organise entre nous tous les mois, du 15 au 15. Là, c'était le 17, exceptionnellement, parce que le 15, on n'avait pas de live. Où en fait, deux teams vont s'affronter. Chaque team, c'est un thème différent. Donc, en général, c'est des thèmes qui s'opposent. Et donc, chaque coloriage rapporte un point. Tu verras, on va commencer dans moins d'une heure. Et quand la personne réalise le bonus, qui change aussi chaque mois, comme les thèmes, elle rapporte 3 points à son équipe. Et du coup, bah là, on va faire des prédictions pour voter pour l'équipe gagnante. Et voilà, prédictions en point de chaîne, bien sûr. Et on se fait ça tous les mois, voilà. Ça marche avec des dessins ou des coloriages. Je sais pas si tu colories aussi, Champiloutre. Mais si tu dessines, ça peut fonctionner aussi si t'as envie de participer.
combien de participations? Une cinquantaine, Yasmine. Je te redirai le nombre exact, mais ouais, une cinquantaine. Ouais, franchement, c'est grave rigolo, je suis en pilote, on s'amuse bien. Coucou, princesse. J'espère que j'ai oublié personne ce soir dans la battle. C'est toujours un peu ma... Je flippe toujours un petit peu. Oh, tu te mets au coloriage, c'est génial, Champiloutre. C'est trop bien. Bah franchement, si tu veux participer, n'hésite pas. Si tu veux, t'as mon Insta, je sais pas si t'es sur ordi ou sur téléphone. Mais tu peux aller sur mon Insta si tu veux voir la prochaine battle. La prochaine battle sera chaud contre froid, mais c'est si jamais tu t'oublies ou tu veux les dates, etc. On a aussi un petit Discord coloriage si tu veux trouver toutes les infos. Ouais, grave, Yasmine, ça va être encore une très belle battle. Carrément. Vous êtes au taquet. Ça fait grave plaisir. Comme d'hab, toujours au taquet. Et encore, il y en a plus de 50, mais il y en a beaucoup qui en ont fait deux, donc j'en ai choisi qu'un. Oui, trop cool, Champiloutre. Tu peux retrouver les thèmes des battles en story à la une sur mon compte Insta, si tu veux. Comme ça, ça permet de les retrouver. Toujours à fond, oui. Bon, je vous avoue qu'il a failli pas avoir de live battle, là. J'ai eu un accident, je me suis fait agresser par des moucherons. Genre, je suis allée chercher le kebab et j'ai fait un petit tour en même temps en attendant que le mec les prépare. Mais je n'ai jamais vu autant de moucherons de ma vie. Dites-vous, tout le monde dans la rue était comme ça, genre. On aurait dit qu'ils faisaient des danses bizarres. Mais non, ils dansaient pas, ils avaient des moucherons partout. Dans leurs yeux, dans leurs oreilles, dans leur bouche, dans leur... partout. J'ai dû rentrer chez moi et je me suis démoucheronnée. Je ne savais pas que c'était possible. Je me suis démoucheronnée. Du coup, bah, je pense que je vais me remouiller les cheveux parce que j'avais des moucherons partout et tout. Genre vraiment dans la brassière, dans les oreilles. Horrible. Oui, c'est horrible. Du coup, voilà. Mais non, Juju, tu vas peut-être gagner ce soir. Merci beaucoup, Champiloutre. Tu vas peut-être gagner ce soir. On sait pas. On n'est pas à l'abri de gagner. Ah non, mais là, genre... Je sais pas pourquoi il y en a autant, mais j'en ai jamais vu autant. Vraiment des nuées, quoi. Ça faisait vraiment des nuées. J'essayais de l'esquiver, j'ai fait tout un détour pour revenir chez moi, et en fait, il y en avait aussi ici, partout. Il y avait un mort... Ah, mais là, il y avait plus d'un mort, là. Laisse tomber. Ah, ça m'a tué, là. J'étais... Ah ouais, une horreur, vraiment. Je suis rentrée, là, j'en avais dans l'oreille et tout. Oh. C'est horrible. J'ai hâte de prendre une douche en vrai. J'ai pas eu le temps, parce que je mangeais. Oh. Je vais me transformer en moucheron. Bon appétit, Champiloutre. Ouais, du coup, dans 20 minutes, on commence l'après-dit. L'attaque aux moucherons. Ah non, mais là... Franchement... Non, mais vous auriez vu, les gens dans la rue, c'était un sketch. Ils étaient tous vraiment là, en train de faire des grands gestes pour les dégager. Je voyais qu'il y en avait qui avaient pas de lunettes, donc ils se les prenaient dans les yeux. Oh. Ça, j'avais mes lunettes de soleil, j'étais protégée. Ah, mais là, c'était violent, Arcalia. Des Bernards partout. Non, c'était affreux. Voilà, on est passé pas loin d'une annulation de live, puisque j'étais en train de me faire dévorer vivante. Bon. Oh, horrible, Juju. Ça grouille là, j'en ai enlevé au moins 20 de mes cheveux, hein, vraiment. Quand je suis remontée là, oh. Je suis sûre que j'en ai encore, je vais devoir aller remouiller, je suis dégoûtée, c'est super long à sécher. Ça me saoule. Voilà, c'était la petite anecdote dégueu du jour. Anecdote beaucoup moins dégueu, ça y est, j'ai lavé Ella. Pour ceux qui ont suivi, elle avait des pellicules et elle sentait pas très bon. Je l'ai lavé avec un shampoing exprès et écoutez, ça a été. J'avais peur parce que elle avait déjà pris des petits bains quand je venais de la voir, mais c'était il y a plus d'un an. Donc elle a pas été habituée vraiment, on va dire. Et en vrai, ça a été un petit amour. C'est mignon, c'est des bébés mouches. Ouais, c'est super mignon, Grundy. Je peux t'en envoyer si tu en veux.
C'est mignon, ouais. C'est trop chou. On en mangerait. Ouais, elle est toute neuve. Ouais, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai... Pour mouiller son poil, je l'ai... En gros, je l'ai laissé être par terre dans la salle de bain et puis je lui... Enfin, je venais prendre un peu d'eau et puis je lui mettais dessus gentiment. Pour la shampooiner, j'ai fait ça par terre aussi. Par contre, pour la rincer, le produit, il était trop difficile à rincer. J'ai dû la foutre sous la douche, la pauvre. Enfin, pas sous la douche, mais dans la baignoire, sous le robinet, quoi. Du coup, elle était pas très contente, mais elle était quand même très gentille. Elle m'a pas griffée, pas mordue. Enfin, vraiment un petit amour. Elle se mettait, en fait, debout. Et genre, elle griffait un petit peu le mur. Elle s'accrochait au mur, comme ça. Puis après, elle bougeait plus, parce qu'elle sentait que bah, c'était quand même agréable. En soi, du coup, je la massais en la rinçant, elle aimait bien. Puis après, bah, on a fait des gros câlins pour la sécher, elle était contente. Puis là, elle me fait pas la gueule, donc tout va bien. Ouais, ma salle de bain tient encore debout, tout va bien. J'ai même pas de griffure ni rien. Bon courage, princesse. On en mangerait, non. Oh, mais l'autre chou. Ouais, je pense, abstrait. Puis elle a capté que je lui faisais pas mal aussi. Genre, j'étais gentille, c'était un peu en mode câlin bizarre, quoi. Elle a dû se dire, je sais pas pourquoi elle me met de l'eau dessus, mais c'est pas grave. Puis là, du coup, bah, elle arrête pas de se laver, forcément. Elle arrête pas de se laver et du coup, bah, là, elle a dû manger beaucoup de poils, donc vous allez peut-être l'entendre faire des vieux bruits horribles de boules de poils qui veut pas sortir. Voilà, vous vous étonnez pas. Il y a pas de zombie chez moi, hein, c'est juste le chat qui va faire une boule de poils, forcément. Elle va être belle, ouais. Oui, bah j'espère qu'elle en refera pas bientôt des pellicules, quoi. J'ai pas à la doucher encore cette semaine, parce que la pauvre, ça a dû être éprouvant quand même. Ma pauvre petite Kai. Oh bah tiens, la voilà, elle court. Je sais pas ce qu'elle fait. J'essaie de leur faire ça. Ouais. Bon, bah Loki, il a jamais eu à prendre de douche, hein, pour le coup. Mais bon, elle, de toute façon, là, y'a pas le choix. Mais bon, elle en est pas morte. Je pense qu'elle s'est pas fait mal, je lui ai pas fait mal non plus. En vrai, ça va. Je m'attendais à ce que ce soit plus difficile. Ah ouais, tu le rinces à l'eau, ouais. Ouais, je vois. Je vais faire un peu comme le panda, en fait. Je suis en train de me dire, il ressemble un peu au panda, ce colo, il est cool. Ça va être bien à faire. Ça va être assez assez facile, je pense. C'est un petit peu comme le panda, enfin, faut faire les doodles et puis... Coucou Danou. Ah, un shampoing sec. Ouais, bah nous, on n'a pas trouvé le shampoing sec en ligne, on a trouvé que le shampoing à rincer. Deux messages de bug. Ah, alors, est-ce que c'est ton cerveau? On ne sait pas. Tu nous rediras, Milo. C'est ton cerveau ou ton téléphone qui bug. Ah, c'est trop agréable. Bonsoir, Andine. C'est super agréable. J'ai acheté ce matin à Action un petit rafraîchisseur d'air. Et du coup, là, il est au niveau de mes pieds. Je viens de redescendre mes pieds de la chaise. C'est ultra frais. C'est trop agréable. Oui, Danou. Alors, la prochaine battle, donc la battle 11, ce sera jusqu'au 15 juillet, déjà. Donc, moins d'un mois. Et il faudra choisir entre team chaud ou team froid. Donc, team chaud, tu me représentes la chaleur un peu comme tu veux. Ça peut être, je sais pas, un coloriage de désert, de plage, un truc qui fasse très été, avec des soleils peut-être, tu vois, enfin... Des mandalas avec des soleils, des choses comme ça. C'est assez varié, mais il faut vraiment qu'on comprenne qu'il fait très chaud. Et pour la team froid, bah, de la neige, je sais pas, du verglas, des flocons. Coucou croque-mou. Et pour le bonus, il faut que tu fasses parfaitement le contraire de la logique. Pour le froid, tu fais du rouge, et pour le chaud, tu fais du bleu. Quand je dis tu fais du bleu, c'est genre tu me fais pas une tomate sur le côté en rouge. Tu vois, tu fais vraiment presque l'intégralité en rouge. Coucou Nolwenn, genre de la neige rouge, des flocons rouges. Et pour l'autre team, tu peux me faire, je sais pas moi, des soleils bleus, du sable bleu, enfin,
Voilà. Mais c'est difficile. Ouais. Après, t'es pas obligé de faire le bonus, hein, si tu trouves que c'est trop difficile. Vous voulez que je vous montre? Ah bah tiens, je vais vous montrer. Tiens, Danou, ça va peut-être t'aider. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour la battle. Ça fera une redite dans le vlog. Désolée. Mais je vous le montre comme ça. Je voulais vous le montrer dans le vlog, mais c'est pas grave. Par exemple, pour la team show, je vais faire lui, dans le Asian de Rita Berman. Et je vais faire tout le désert en bleu. Comme un effet nuit, un peu. Tout bleu, le désert. Merci, Léo. Tout bleu, le désert de celui-là, qui a l'air très chaud. Donc je vais faire peut-être même un soleil bleu et tout. Ça, c'est pour la team chaud. Et pour la team froid, je vais faire celui-ci. Dans le Fragile World. Et du coup, bah, je vais faire tout rouge. J'ai le hoquet, je suis désolée, j'ai trop mangé. Je vais faire tout rouge, celui-là. De l'eau rouge, le ciel rouge, alors que c'est de la banquise, c'est censé être bleu, mais... Voilà, je crois que je comprends. Je fais le contraire de ce qui est logique, en fait. Tu te casses le cerveau, et c'est bon. Et si t'es pas sûr, tu m'envoies un MP. Coucou Luciole! Tu sais exactement ce que tu vas faire? Yes, trop bien. Voilà. De rien, Danou, merci à toi. J'aurais voulu la musique, elle fait un peu sa vie, non? On se calme quand même. Allez. En tout cas, voilà. Je sais dans quel livre, mais pas quel colo. Oh! T'as vu Néo comment elle prend la confiance, la musique? Elle arrive là avec ses grands sabots en mode « Hey, c'est moi la star !» Je te calme en fait. Tellement. Oui. Ah non, ça c'est un nuage, c'était pas une feuille. Très drôle. J'étais à fond dans Black Mirror juste avant le live. Je vous avoue, c'est dur de casser un épisode de Black Mirror en deux. Là, j'ai hâte de savoir la chute de l'histoire, j'arrive pas à la trouver. Du coup, ça m'obsède. Donc si jamais je fais des erreurs dans la battle, vous me pardonnez, c'est parce que mon cerveau, il est encore dans l'épisode de Black Mirror. Voilà. Je me dédouane de mes erreurs comme ça. C'est que mon cerveau est resté là-bas, en fait. Le cerveau, il est resté sur Netflix. Bonsoir, Anto. Toi aussi, Mélo. On est au deuxième épisode, là, du coup. On a coupé en deux. On s'est fait le premier à midi. Demain, je vais souffrir parce que l'Hurluberlu, il est pas là. Alors, je vais pas souffrir de son absence, je vais souffrir du fait que je peux pas regarder Black Mirror dans la journée. Ça va être dur. Je pourrais regarder le soir, mais... La saison, elle serait déjà terminée, là. Si je devais pas l'attendre. Je fais comme toi, abstrait. Je la prends des meilleurs, en fait. Bonsoir, Elsa. Tu l'as vue? Je suis sortie de mon lurk. Ah, faut que je cite des noms de séries comme ça. Ça fera sortir tous les lurkers. Ouais, Néo, c'est clair. Tu peux le dire. Non, non, mais je suis là, hein. Mais il y a une partie du cerveau qui est pas là, quoi. Vous inquiétez pas, vos colos vont me remettre sur le droit chemin. Je prends ça comme un compliment. Ouais, après, j'ai pas fini ma phrase. Hein. Le meilleur des pires. Voilà, voilà. Oui, il y a une nouvelle saison. Elle est sortie aujourd'hui, Luciole, la saison 6. Ouais, bah déjà pour le premier épisode, Mélo, j'avoue, mais... Une cinquantaine, croque-mou. Grosse battle encore. Et vous êtes déjà au taquet pour la suivante. J'ai déjà plusieurs participations pour la suivante. Vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs. Franchement, vous êtes des oufs.
Oui, je l'avais vu en tôt. Bonsoir Alice. Oui, de rien, Luciole. Bonsoir à Eliane. Dans 8 minutes, on commence la prédiction pour la battle. Commencer à mettre des tentacules de côté. Commencer à prier pour gagner. Je compte sur vous pour dépenser un max pour la prédiction, bien sûr, comme d'hab. Plus il y a de tentacules en jeu, plus c'est drôle. Ah, c'est vrai, mais l'autre, trop cool. C'est bon, je gagne, tu m'étonnes, oui. Arcalia, elle a deux comptes, donc elle gagne, voilà. Dans tous les cas. Mais t'es pas la seule, y a Oli aussi, qui a deux comptes. Trop bien, princesse, tant mieux. Tant mieux. J'ai envie de le faire classique, mais avec de la couleur, donc je viendrai sûrement agrémenter. Je fais une base classique et après j'agrémenterai, je pense. Mais je sais pas quelle couleur encore. Je vois plusieurs choses dans ma tête. On n'est pas sorti, quoi. Tricheuse. Un peu. On s'appelle pas la pire pour rien après, hein. Un jour, on fera une battle à trois teams juste pour faire perdre Arcalia. La base. Hop là. Ok. Ce truc là. Ouais. Ok. Et bah écoutez, c'est pas mal déjà. J'ai fait un troisième compte. T'es la pire. Ouais, mais t'auras pas de tentacule sur ton troisième compte. Donc tu pourras pas miser beaucoup. Merci Néo. On va faire les nacelles. Ouais, je pense que je vais venir faire plein de reflets et tout pour qu'il y ait de la couleur, mais. Pas si évident. Déjà, quand on sait pas les couleurs qu'on veut, c'est pas évident. T'es la pire, Arcalia. Coucou Suki! Comment va la petite Luna, Suki? Qu'elle va, la petite. Arcalia, t'es vraiment la pire. Ça m'étonnerait même pas en plus que t'aies un troisième compte caché. Je serais pas surprise du tout, en fait. Ça me paraîtrait parfaitement logique. Oh, c'est trop chou. Et avec Ellie, du coup, il y a eu rencontre. Va pas tarder de faire la prédit. Ça passe trop vite. Un marron un peu plus foncé pour les oiseaux. Vous allez faire quoi, ceux qui ne nous ont pas dit ce soir? Est-ce que vous allez colo devant la battle ou vous allez juste regarder les colos? Isma, ouais.
Ellie, c'est compliqué, ouais. Bon, bah après, ça va si elle l'attaque ou pas, tant mieux. Je sors les crayons. Oui! Isma aussi, ok. Oui, trop bien, Yasmine. Elle est perchée au sommet de l'arbre. Ah ouais, en mode je domine. Les papillons, oh my god, bon courage. T'admires les colos, ouais, trop bien. Anguille du Fragile World, oh. On n'a pas beaucoup vu colorier ce colo. Il est particulier, faut dire. Nous, on a lavé la crasseuse, ça y est, Suki. Elle a eu son shampoing, ça y est. Elle sent bon. La pauvre. Enfin, je me dis heureusement qu'il fait chaud. C'est le moment de les laver en vrai, quand il faut. Bah écoute, croque-moi pour l'instant, ça va. Bah là, elle est toujours en train de se lécher, etc. Normal. Et écoute, ça a été pas trop mal. Hein. Je m'attendais à ce que ce soit pire que ça, la douche, mais ça a été tranquille. Elle est gentille comme tout. Oh, trop bien, Matt. Trop, trop bien. Je me souviens de cette vache. Je l'avais faite pour une récompense, moi. Trop bien. Allez, on fait la prédit. Alors... prédiction. Et je compte sur vous, hein, vous misez à fond. À fond. Commencez la prédiction. Et je rappelle que vous n'êtes pas du tout obligé de voter pour votre team, on s'en fout. Vous pouvez voter pour l'autre team si vous pensez qu'elle va gagner. Alors, première team, c'était la team nature, je pense. Peu importe en vrai. Team nature contre team industriel. Vous avez 30 minutes. Allez, à fond sur les tentacules, on s'en fiche, c'est que des points de chaîne. Coucou Alfie. Je suis à pratiquement à 15k. Ah bah parfait, tu vas pouvoir miser énormément, c'est bien. Allez, misez à fond, je compte sur vous. Toujours pendant les battles. 10, qui est-ce qui a misé 10? 20? Non mais qu'est-ce qui se passe là les gens? Votez vraiment, faites pas semblant. Je juge vos mises. Ah, trop cool, Suki. Ah, c'est pas grave, Elsa, t'auras le replay si jamais. Ah, 18 000 contre 10 000, ça commence à me plaire un peu plus. Là, vous commenciez à me faire peur, là. J'allais pleurer, là, carrément. Je vote toujours pour ma team, je suis pas une traîtresse. Après, il y en a, vous pouvez pas voter pour votre team parce que vous la connaissez pas, comme c'est moi qui ai choisi pour vous. Ça, c'est bête. D'où il y en a qui votent à l'aveugle ce soir. Qui savent même pas quel colo sera montré. J'ai appuyé à côté. À côté de quoi? Ah là 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 là. Il y a beaucoup d'oiseaux en fait. Cliquez sur 10. Ah mais tu peux reprendre Elsa, t'inquiète. Vous pouvez modifier votre prédiction. Vous pouvez en rajouter. Jusqu'à la fin de la prédit. Voilà, donc n'hésitez pas à rajouter des tentacules si vous vous êtes trompé. Vous pouvez toujours rajouter jusqu'à... Bah du coup jusqu'à 21h là. Alors, team 1 pour Yasmine, donc Nature Yasmine, Indus Croque-Mou Elsa Abstrait Julie, Sandy Lee Nature, ok. Je sais même plus ce que je t'ai envoyé. Oh mais Néo. Néo, t'es la pire. Ah. Arcalia, t'as mis nature avec ce compte et Indus avec l'autre, du coup. Ah, c'était toi. Ok. Ça va, les 96 000, là? La team nature, vous êtes pauvres. Arcalia, ta team... je sais pas combien t'as misé, mais... C'est pas grave, Yasmine. Je fais trop de colo, ça doit être ça.
Un numéro de poly qui serait l'équivalent d'Hazelwood. Non. En fait, Hazelwood, ce serait un mélange de gris chaud, de poly et un ocre un peu. Allez, Alice, nature, princesse aussi, Laurine, industrielle, Mélo aussi. 13-4 amis, ok. Pour l'instant, il y a une team qui sera plus gâtée que l'autre, hein. Vous sous-estimez Johanna Basford, là, je crois. Il y a souvent une team qui est moins là, sur le live. Coucou Weiwei, qui a voté Indus aussi. Allez les bleus, misez plus, grave. Que tout le monde gagne autant, là. Non mais oh. Soyez cool. Alors, venez me prendre n'importe quoi pour les couleurs des montgolfières et on s'adaptera après. Je suis adepte du n'importe quoi. Non mais la musique elle recommence, là on est d'accord. Là elle pète un plomb, genre. Calme-toi, en fait. Bonsoir Aurore, qui a voté Indus. Je peux pas plus, c'est pas grave, c'est pas grave. Coucou Tipivouane, allez la team 1 là. Misez les tentacules. La team 2, c'est bon, vous avez assez donné. Hein. Il y a eu un riche ou deux là dans la team 2. Ah là là. Allez, la team 1, on monte à 100 000. Non mais t'as vu abstrait? Y a pas de soucis, Tipeee1, si tu veux miser. On est en pleine prédiction, si tu veux miser pour la team gagnante, tu peux. Pas de soucis, Yasmine. Ouais, je le sais. Bouh, les bleus. Allez, les bleus. On mise beaucoup plus. Sinon, les roses, s'ils gagnent, ils vont pleurer. Ils auront rien à se mettre sous la dent. À vous, par contre, c'est vrai que la team 1, si vous gagnez là, c'est pépite un peu. C'est bien ça. Ça c'est vu en plus des battles où la team qui avait le plus voté perdait. Du coup les gens étaient contents. Coucou Fifine, ah, une team nature. Ils existent. C'est pas juste. Et non, les battles ne sont pas justes. Je dirais que c'est la même couleur, mais je suppose que aquarellé ça fera pas la même chose. Tipeee1, team 2, c'est serré les teams? Ouais, relativement. Moins que la dernière fois, mais la dernière fois c'était n'importe quoi. Mais c'est quand même serré. Ça s'est joué à pas grand-chose. Oui, trop cool, Tipeee1. Avec plaisir. Celle-ci. J'essaie de les répartir un peu quand même. Histoire de quoi. Voilà. C'est la one again, mais pas trop. Je contrôle ma one again. Pour quel battle? Pour industriel? Non, elles sont faites, moi, mes participations. Ou pour la suivante? Non, en vrai, dans la suivante, ça marcherait pas. Là, je fais un colo pour accompagner Julie dans Imagimorphia, comme elle en fait beaucoup. Je rattrape, je rattrape. Merci Néo. Bon, bah, la team 1, bah, vous avez pas beaucoup de tentacules. Vous êtes là, mais vous avez pas beaucoup de tentacules. C'est pas grave, hein. Tant pis. Prédire. Comment ça prédire? Je peux pas prédire. Oh, vous êtes pas tant. Vous avez pas un gros écart de nombre. C'est vraiment la richesse.
en fait. C'est vraiment la richesse. Ah, mais c'est ma mamie qui vous a grave aidé. Ma mamie, elle est toujours pleine de tentacules. Ah, oui, je vois. Et Arcalia a aidé la team nature. Ok. Ah, vous êtes à peu près le même nombre en soi. C'est juste qu'il y en a qui sont plus riches que d'autres. Ok. Celle de ce soir. Ah non, non, non. Non, ce soir, j'avais fait. Pour la team Indus, j'avais fait le papillon dans ce livre-là. Attendez, je vous la remontre. Hop, j'ai fait ça. Et team nature, j'ai fait un Johann Abbasford, bien sûr. Pour le bonus. On peut changer de team si on a voté? Non. Tu peux pas. Oui, Mélo. En général, après ma mamie, elle vote souvent pour sa team. Très souvent. Même, je crois, tout le temps. Enfin, vous êtes la plupart à faire ça, quand même. C'est rare que vous votiez contre votre team, quand même. J'ai remarqué. Il n'y en a pas beaucoup qui font des trahisons. Enfin, sauf ceux qui ne savent pas quel team ils auront. Eux, par contre, ouais. Ça arrive. Colo à thème, oui! Richesse au goût du risque. Un peu les deux en vrai. Avant, il y avait l'Hurluberlu aussi qui faisait des grosses prédis, mais il le fait plus. Parce que lui aussi, il avait beaucoup de tentacules avant. Mais il le fait plus, malheureusement pour vous. Je sais pas quoi, Colo, pour la prochaine battle. Oh non, Danou! T'as pas les livres dans lesquels je vais, dans lesquels je t'ai montré tout à l'heure? Tu les as pas? Si tu veux m'accompagner. Merci Galia Colo pour ton follow et bienvenue. On fait du coloriage, mais je suppose, vu ton pseudo, que toi aussi. Et ce soir, on va regarder les colos de tout le monde pour notre petit challenge. Bien sûr, Sandy Lee, vous avez le droit. Quelle question. Je vais les remontrer dans mon. Je sais pas si t'étais là tout à l'heure. Je vais les remontrer dans le prochain vlog là qui sort mercredi. Si vous voulez. Enfin, vous pourrez m'accompagner. Je vais pas les faire tout de suite en plus. Hein, donc... Tranquille. Je marque Pâques pour demain. Plein de Kirby. Oui, trop bien, Tipeee1. Un vrai dilemme la prochaine battle. Fais les deux. Fais les deux et laisse-moi choisir. Il y en a plein qui font ça maintenant. Si t'as le temps, bien sûr, et l'envie. Mais il y en a beaucoup qui le font maintenant. Bonsoir Galia, bienvenue à toi. Je reçois. Oh, trop cool, Zandili. Je commence pas de suite. Ok. Oui, non, moi non plus. C'est choisi, mais je vais pas les faire tout de suite. Alfie, tu m'as toujours pas donné ton thème d'ailleurs. Je vais finir par l'oublier, ta récompense. Oh, trop cool, mamie. Celle-là? C'est celle-ci normalement que tu as. Merci Nocède. Merci beaucoup pour ton 10e mois. Et coucou Kat. Et coucou Cassie. Et coucou Nocède du coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, trop cool Alice. Avec grand plaisir. Un petit peu challengeant la prochaine battle. Hein. Comme celle-ci, le bonus n'était pas très challengeant. En mode speeder, en mode Superman? What? What, what, what? Ok. Est-ce que j'ai fait toutes les fleurs? Non. Il manque une tulipe. Ah!
pas du verre, ça. Excusez-moi, je m'embrouille. Ah, je vais mettre celle du haut aussi. J'aime bien ce rouge. Ça va être chouette, ça. J'ai bien envie de mettre du orange aussi. Un violet et un orange. Venez, on fait ça. On se pose pas trop de questions, en fait. Ah, ok, ok, c'est marrant. Ah, je vois. Oui, trop cool de cède. Ça va être bien en orange comme ça. Je sais pas quelle mouche m'a piqué, j'ai envie de faire de la couleur. C'est les moucherons, ça. Tiens, un dinosaure là, il va être orange lui aussi. Félicitations, je vais gagner le droit d'être orange. Cette chenille aussi mérite d'être orange. Oui, je me doute, Nocette, j'espère. J'espère. La team nature, ça décolle pas. Hein. Décidément, vous êtes la team sans tentacules. C'est pas grave, on vous aime quand même, la team nature. Tant pis pour industriel s'il gagne, quoi. Là, là, là. Ok. Et du violet bien foncé. Oh, mais c'est horrible, Tipeee1. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y en a des nuages. Exactement, Dan. Si tu veux le bonus, ouais, il faudra faire un désert bleu, par exemple. Très logique, hein. Oui, 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 ça va à l'encontre de la logique, c'est normal. Mais non, t'inquiète, Danou, c'est juste que c'est le contraire de la logique, en fait. C'est fait exprès pour vous embêter. J'aime bien vous embêter avec les bonus, c'est marrant. Mais t'as bien compris. Du chaud en bleu et du froid en rouge. Ah, c'est horrible, Tipeee1. Non, mais... Quelle horreur. Faire les plumes en violet aussi. Je sais pas comment je vais faire la fumée en bas. Enfin les nuages, c'est pas de la fumée, c'est des nuages. Je suis la pire, pourquoi tu dis ça? Tu me fais peur. J'ai peur de toi, Arcalia, parfois. Oui, pas de soucis, Cassie. Tu me fais... Mais Arcalia, arrête. Troisième. Troisième quoi? Troisième colo défi? Non. Merci beaucoup, Blandine, pour ton prime. Merci à toi. Merci à toi. Compte. Le troisième dans quoi? Elle me fait peur. Dans le mythomorphia? Dans le imagimorphia? Troisième compte. Ah, tout va bien en fait. T'es vraiment la pire quand même. Trois comptes, Arcalia. Trois comptes. Re Yasmine. Trois. Ouais, ouais, ouais.
va, vous êtes à 70 000 la team nature, ça va. Ça va, ça va. Allez, je commence à aquareller un peu. Histoire de faire quand même quelque chose. J'aime bien faire quelque chose. C'est bien. On a un salon WIP qui est ici, pour les colos qui sont pas finis. Sinon, on a question conseil, comme t'as besoin de conseils, comme tu veux. Ou tu préfères. Oui, tout à fait, Tipeee One. Exactement. Non, je vais déjà faire des montgolfières avec le gros pinceau. Pas commencer à faire des petites fleurs avec un pinceau énorme comme ça. Là, c'est vraiment le moment satisfaisant. C'est tout ce que je voulais faire, en fait. Là, je suis ravie. Là aussi. Oh, horrible, Bundy. Mais y'a pas de soucis, Cassie, t'inquiète. Alfie, t'es toujours là ou pas? Ouais, grave, abstrait. Regardez comme ça va être satisfaisant les grosses là. Attention. Waouh. Oh là là, que c'est satisfaisant. Waouh. J'ai mal aux yeux avec ces couleurs. Comment ça? Non mais oh, c'est pas gentil. J'ai mis des plombs pour comprendre. J'aurais peut-être dû mettre work in progress directement ou mettre colo en cours aussi. Mais moi j'aime bien faire des trucs compliqués pour que vous soyez perdus. Regardez ça, waouh! La magie du Inktense. Waouh! On comprend pourquoi il s'appelle comme ça à ce moment-là. Des Inktense. Oui, oui, oui. Je vous jure. C'est merveilleux. Merveilleux. Mais oui, c'est trop beau les couleurs comme ça des Inktense. Ils ont des couleurs folles. Vous avez pas trop mal aux yeux, ça va? Parce que vous attendez de voir les 50 colos de tout le monde hein, pour avoir mal aux yeux. Je vais pas abîmer votre rétine avant la battle quand même. Sérieux, Yasmine? Oh non, mais t'aurais dû nous demander, on t'aurait dit. Ah là là. Tiens, j'en profite. Oh, c'est au feeling, croque-moule. C'est de la one again. J'ai pas réfléchi à mes couleurs. Si j'ai un enfant, je l'appellerai Inktense. Grave. Carrément, t'as raison. Pendant que vous êtes là, avant qu'on commence la battle. Pour ceux qui font les cours de yoga, il va y avoir un petit changement à partir de vendredi. Ce sera toujours à la même heure, mais ce sera pas sur Twitch, ce sera sur YouTube. Voilà, c'est tout. En première, ce sera pas un live, mais c'est pareil. Ça va rien changer du tout, parce que je pourrais vous répondre quand même dans le chat. Donc pour vous, ça va pas changer grand-chose. Et je vous ai déjà enregistré la séance cet après-midi. Faut que je fasse le montage, c'est tout. Voilà, voilà. Enfin, je devrais pas avoir un gros travail de montage, mais... Mais il y a quand même 2-3 petits trucs à faire. Voilà. Comme ça, je pourrais vraiment vous répondre directement dans le chat si vous avez des questions pendant la séance. Et voilà, ce sera plus simple. Ce sera très cool aussi. Derwent. Peut-être, peut-être, Kessie. Moi, je l'appellerais Polychromos. Polly, ça pourrait être son surnom, ou Lily. Parfait. J'aime beaucoup. Ah, je perds mes cheveux. Ah bah tu m'étonnes, Grundy. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que... Polly, c'est mignon. Ouais.
Dans les locaux de Derwent. Ah ouais, on peut faire ça? Intéressant. Coucou Kiran, y a pas de soucis. Lumi pour moi. Ouais, Lumi, c'est mignon. Ouais, bah Pablo, c'est en plus c'est un prénom pour de vrai, donc encore mieux. Bah voilà, on a des prénoms pour tout le monde là. Des générations d'enfants de coloristes qui auront des prénoms. Mais y a pas de soucis, Danou, c'est normal. Hein. Merci à toi de participer et merci à toi pour tes bananes dansantes. J'adore. Coucou Maëva, y a pas de soucis, t'auras le replay. Y a aucun souci. Attendez, j'ai pas le bon pinceau, il est trop gros. Ça, c'est mon pinceau de splash. Néo pour néocolore, ouais. C'est vrai que je t'en sers pas. Parce que... Ce qui est un peu. Hop là. C'est un peu logique, comme je les as pas. Mais oui, néocolore. Bah ça va très bien Maëva, merci. Ah mais t'as voté en plus, trop bien. Trop bien. Noé. Noé Color. Ouais voilà. Ça marche en fait, ça le fait. Je pense que je vais prendre autant de plaisir à faire celui-là que à faire le panda. Le panda, j'avais fait exactement le même procédé et je m'étais éclatée à le faire. C'était rapide et tout, c'était bien. La Révolution française, oh my god, c'est pas facile, hein. Mais oui, ça, carrément. J'aime bien les thèmes pas faciles. Avec plaisir. Est-ce que ça t'embête, Alfie, si on cherche après la battle, du coup? Comme là, il reste plus que 5 minutes, j'ai pas envie de rush ton thème. Ça te dit? On attend, enfin on regarde les colos, puis après on regarde quel colo on pourrait matcher. J'ai déjà ma petite idée du livre, hein, mais. J'ai déjà ma petite idée du livre. Super, trop cool. Je pense à du Jasmine Beckett notamment, qui serait vraiment sympathique. Y'a pas de soucis, Maëva, t'inquiète pas, c'est pas grave. Déjà, t'as voté, t'as donné tes tentacules pour la bataille, c'est tout ce qui compte. Bon, il reste combien de temps? Très peu de temps, ok. Je continue d'aquareller un peu et on commence. Ouais, je pense, Julie, en vrai, il y a moyen. On va chercher, mais là, comme ça, je dirais que c'est plus dans le Halloween que dans le Fantasy Art. Voilà. Ce sera l'occasion de faire des duos s'il y en a qui veulent m'accompagner. On va chercher après une tenue qui fasse un peu époque de la Révolution française. Je pense que ça peut être très sympa comme thème. Le colo du Asian de Rita Berman avec le coq. Ah oui, ouais je vois, mais c'est plus... C'est pas français comme truc. Je sais plus si c'est la Turquie ou quelque chose comme ça, ou un pays comme ça, les armures comme ça, c'est plus turc. Alors qu'il y a des tenues qui feraient très françaises dans le Jasmine Beckett. Pas de soucis, Suki. Merci, Miette, pour ton follow. Bienvenue à toi. On fait du coloriage. Et dans moins de 5 minutes, on va regarder les colos de tout le monde. Le coq dans le Soulmates. Ouais, sinon il y a ça, mais après, ça fait pas vraiment révolution. Non, là, comme ça, je partirais plus sur un Jasmine Beckett. Je pense qu'au niveau de l'ambiance, ce serait vraiment le top. Je sais pas lequel, j'ai pas d'idée en particulier. Là, comme ça, je connais pas le livre très très bien. Mais franchement, ça peut être grave cool. Bravo, princesse! Il y a une Marie-Antoinette. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, Matt. Eh ben, on va voir. Entre ce que dit Matt et le Jasmine Beckett, on va voir. Sachant que je serais plus hypée pour aller dans un Jasmine Beckett que dans un Anna Carson. Mais s'il faut retourner dans le Hana, je serais très contente d'y retourner aussi. On va voir. On se cherchera ça après la battle. Alfie a demandé un colo à thème, Casey, en récompense. Et elle a choisi la Révolution française. Voilà. C'est une super idée en tout cas. Vous avez toujours des super idées.
Vous êtes au top. Pour l'instant, j'ai pas trop chaud, je suis contente. Ça fait une heure de live. Et j'ai l'impression que mon petit rafraîchisseur d'air là, il marche plutôt bien. En tout cas, je pense qu'il empêche la surcharge de mon PC en termes de chaleur. Parce que souvent, c'est mon PC qui me tue en live. Une guillotine. On peut rajouter une guillotine hein, sur un colo. C'est pas bien compliqué en soi. Je vais vous montrer le dernier dessin que j'ai fait. J'ai refait un dessin. En parlant de guillotine, ça m'y a fait penser. Regarde Abstrait, je l'ai toujours pas décoré. Abstrait, elle aime pas les carnets pas décorés. Ah, mais je voulais pas montrer terminé. J'ai fini celui-là aussi. Vous saviez, je vous avais montré le champignon. J'ai fini Todd. Et j'en ai refait un autre après. Je vous avoue que les arbres, c'était chiant. Et en plus, ça m'a un peu tué mon pit. Donc j'étais un peu en PLS. Faut mettre des stickers, je vais le faire demain. Arrêtez. Non, croque-nous, je pense pas. Voilà, donc j'avais fini lui. Bref, voilà. I don't starve. Ah oui, un peu. Oui, oui. C'est un peu ça. Et puis du coup, j'ai refait Peach. Parce que bah, il faut pas s'arrêter sur la lancée. Et j'ai fait des bouts aussi. Là, ça m'y a fait penser pour la guillotine. Merci Kiran, merci tout le monde d'ailleurs. 8 pubs m'attendent, oh putain. Oh, j'adore. Tu nous montreras ça, hein. Mais oui, Abstrait. Un spooky la Inanna, ouais. Voilà. Bonjour. Merci. Les pubs m'empêchent de voir. Oh non. Là, les abonnés ils sont en mode. Ouais. Et les autres pleurent. Désolée. Désolée les autres. Même Boozer. Oui, c'est moi, Sandy Lee. Oui, oui, oui. Bah oui, Suki. C'est quoi cette question? Je vous dis, j'ai fait des dessins, vous me demandez si c'est mes dessins. Non, non, je les ai volés au voisin. J'ai piqué son carnet de croquis. Qui n'est pas décoré d'ailleurs. Ah oui, puis j'en ai commencé un, attendez. J'ai commencé ça, mais il est pas ancré encore. C'est un papillon. Avec des yeux. Comme ça, vous avez le sketch. Elle a un joli sourire. Ouais, bah bravo, Suki. Non, non, mais vraiment bravo. Voilà. Il y a lui qui est en cours. C'est pas prévu, Sandy Lee, non. L'Hurluberlu m'a dit la même chose. Voilà, voilà. Et je vais décorer mon carnet. Promis. Ça c'est promis. Il est pas ancré. Il est pas fini encore. Oh. J'ai pas eu le temps. Bon, on commence. Oh, trop bien, Tipivoine. Mais ouais, grave, Abstrait. Non, mais vous inquiétez pas, dans le prochain vlog, vous aurez les stickers. Monica Bordiski. Attends, je vais regarder vite fait. Je connais pas. Et après, promis, on regarde vos colos. Ah oui, ok. Ah oui, en hachure aussi. Ouais. J'aime bien les hachures. J'ai pas toujours fait ça, hein. Je fais pas des hachures depuis toujours, mais là en ce moment j'aime bien les hachures. Je suis dans ma période hachure. Merci Tipivoine. Merci Kiran. J'ai pas vu. On les re-regardera tout à l'heure s'il y en a qui n'ont pas vu. Mais vous les aurez dans le prochain vlog. Ah, Yasmine, elle était bonne en plus ta blague. J'aime beaucoup. C'était très yogique. J'aime beaucoup. Allez, on commence. Hop. Touk. Alors, comme d'hab, petit moment de calibrage. Dites-moi si vous voyez correctement. Est-ce que je dois décaler à gauche, décaler à droite? Dites-moi. Je vais me sortir une petite feuille. Attendez, je roule jusque là-bas. Allez, hop là. Je vais sûrement rester avec vous. Oui. Pourquoi tu t'excuses? C'est trop bien. Moi, je suis contente que tu restes avec nous. Alors. Ok, ok, Mélo. C'est bien centré. Ouais, ok. Et bah du coup, on commence avec la participation de Abstrait.
qui a fait cette magnifique double page dans le Imagimorphia. Imagimorphia de Kirby Rosan, qui rapporte donc 3 points à la team industrielle. Ça commence fort pour la team industrielle. Bravo. Bravo, abstrait. J'adore les couleurs, elles sont incroyables. Quel boulot, quel travail, très joli. Il y a du boulot sur cette île. Trop beau les couleurs, superbe. J'adore trop les couleurs, bravo. Quel travail, waouh, que de patience pour toutes les petites maisons, superbe. Quelle est belle, j'adore les couleurs, top. C'est beau, plein de couleurs. Trop belle ta double page abstraite. J'ai le hockey, c'est chiant. Magnifique, superbe, superbe. Trop beau, ça donne envie d'y aller, grave. C'est excellent, fallait y penser à ces couleurs, c'est super harmonieux. J'aime beaucoup ce ciel. Il y a du travail, clairement, ouais. Ouais. Bravo, ouais. Je me vois bien invitée dans un des apparts et avoir une super vue, mais grave. Carrément. L'effet fumé du ciel, c'est magnifique. Ouais, carrément. C'est vrai que les couleurs, elles sont superbes. Ça donne envie de la faire, celle-ci. Va falloir qu'on se la coltine un jour ou l'autre. On démarre super fort, au punaise on va avoir chaud encore. Quelle couleur, c'est peps, j'adore ça. Bravo Abstrait, tu as super assuré et le contraste avec les rochers c'est top. Bravo. Merci Abstrait, qui commence très fort pour cette team. Team pour laquelle tu as voté du coup. Merci à toi. On passe à la deuxième participation. C'est ce que je me disais, en vrai elle a l'air cool à faire comme ça. On passe à la deuxième participation qui est Alicia, qui nous a fait un Johanna Basford. Alors vous m'excuserez pour Johanna Basford, j'ai peu de connaissances. Je vais avoir du mal à vous dire de quel livre c'est tiré. Donc si quelqu'un sait pour les Johanna Basford à chaque fois, comme on va en avoir beaucoup, vous me dites, voilà. Histoire que si quelqu'un flash sur un colo, il puisse craquer sur le bouquin. Donc ça fait le bonus, bien sûr. Pour la team Natu. Superbe. Magnifique, jolie, magnifique couleur, super élégant, trop joli, trop beau, tout mignon et coloré. Oh, toutes ces fleurs, c'est dans Jardin Secret, merci Alfie. C'est joli, superbe couleur, un bouquet printanier riche en couleurs. Magnifique toutes ces couleurs, c'est doux comme couleur. Oula, le mot couleur là. C'est vrai que c'est beau les mandalas de fleurs comme ça, c'est doux, ouais. Trop beau, j'adore. Le peps des couleurs des fleurs, ça fait du bien, j'adore les fleurs au printemps en plus, bravo. Très printanier, en plus il y a des couleurs chaudes, des couleurs froides et ça va super bien ensemble, je trouve. Très coloré, ouais. Carrément. C'est super joli et tellement doux, j'aime beaucoup les couleurs des fleurs. Il n'y en a pas trop et c'est super harmonieux. Mention pour le fond qui est superbe. Ouais, ça a l'air d'être un fond à l'encre. Je suis pas sûre, mais ça a l'air quand même d'être à l'encre. Donc voilà, les best fonds, les fonds à l'encre. Je fais du favoritisme, oui, oui, oui. Merci beaucoup Alicia, c'est très joli. Merci à toi. Magnifique, ouais. Merci, merci. Le feuillage, ouais, carrément. Ah, c'est toi, Alfie ? Ok, pourquoi je t'ai noté ok. Ok. Des fois, je note vos pseudos Insta, des fois, je note... Enfin, bref. Ok. Eh ben, merci beaucoup à toi, en tout cas. On passe à la troisième participation, qui est Colocopine. Colocopine qui rapporte un point à la team industrielle, c'est dans un Anna Carlson, c'est le Forest Kingdom, si je dis pas de bêtises. Ok, pas de soucis Alfie, pas de soucis. Bah, j'ai dû le voir quand je t'ai pris la participation, mais je retiens pas toujours vos doubles pseudos. Ok, je noterai Alfie la prochaine fois, c'est plus simple. Je préfère noter vos pseudos de Twitch, je les connais plus. J'adore, trop beau, très joli, tout mignon, superbe, trop cute, très joli. Ouais, il est très sympa. Très jolie, jolie maison. Ouais, je rappelle que pour la team nature, on n'avait pas le droit d'avoir de bâtiments, de choses construites par les êtres humains. Mais par contre, la team industrielle, comme ici, avait le droit d'avoir des éléments de la nature. Voilà. Il n'y avait pas de soucis dans l'autre sens. On ne voit pas souvent ce colo, c'est vrai. Superbe, le colo de base trop bien choisi et les couleurs j'aime beaucoup. Superbe, très sympa, très mignon ce manoir. Elle est trop sympa cette maison mi-industrielle, mi-naturelle avec les champignons. C'est super original et les couleurs sont très bien choisies, bravo. Et puis ça nous prouve aussi qu'on n'a pas besoin de faire de fond, je trouve. Là en vrai, il n'y aurait tellement pas besoin de faire un fond autour, ça suffit largement le cadre. C'est beau, oui. Très très beau.
Pas de soucis, Tipi, one, bonne soirée. Le fond aurait été de trop, mais tellement. Mais en vrai, ça fait tellement réfléchir, ce genre de choses. Des fois, ça sert à rien de se prendre la tête. Merci beaucoup, Colocopine, il est très beau. On passe à la quatrième participation, qui est Aéliane. Hop là. Je zoome un petit peu, comme c'est une double page. Voilà, ouais, c'est bien comme ça, en vrai. La photo est bien prise, c'est pas flou. Alors, Aéliane, je crois que t'es là, normalement. Tu nous as fait une participation dans le... Je ne sais plus. En tout cas, c'est nature. Ça fait un point. Alors, là, je sens que je vais avoir la remarque. Quand c'était un personnage avec des vêtements, je ne comptais pas hors sujet pour la team nature. Parce que ça fait pas vraiment partie du décor, le personnage, pardon. Donc oui, ces fringues n'ont pas été construites par la nature. Mais voilà, ça je le comptais. Tout ce que je refusais, c'était les fenêtres, les lampadaires, vraiment les trucs du décor. Là, c'est pas un truc du décor, c'est une espèce de petite reine. Waouh, waouh, magnifique, waouh, trop beau, splendide, splendide, trop mimi, trop beau. En amour je suis, c'est trop beau, elle parle en verlan d'Anou carrément. Magnifique, une merveille, waouh, il est magnifique, trop beau, magnifique double page. Oh c'est beau, et ses fleurs sont belles. J'aime tellement, bravo, c'est magnifique, et je dis qu'elle devrait avoir double bonus pour la double page nature. Ouais mais non, parce que c'est pas du jaune à basse forme. C'est joli, trop beau, mais c'est magnifique, on la voit jamais cette illu, je sais plus dans quel livre c'est. C'est trop stylé. C'est magnifique, couleur, le ciel, les fleurs, tout est parfait. Je suis d'accord avec toi pour le bonus. On y en a rien d'industriel. Oui, non, non, non. Bravo, ce colo est vraiment fabuleux. Non, mais voilà, je préfère le dire parce que je sais que des fois, il y a des gens qui sont pas de très bonne foi. Donc... il y a toujours ce côté... voilà. En tout cas, je lui ai validé le bonus. En tant que jury impartial de la battle. En tout cas, j'adore cette illu. Je sais pas de quel livre c'est, mais je préfère pas le savoir, comme ça je craque pas. C'est bien de pas savoir, des fois. L'ignorance, des fois, c'est pas plus mal. Il est magnifique. Ouais, carrément. Merci beaucoup, Aéliane. Merci beaucoup. Non, c'est pas un Johanna, Arcalia. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Non, ça doit être un livre asiatique, mais je suis pas sûre. Je sais plus. Très belle, ouais. Merci beaucoup, Aéliane. On passe à la cinquième participation. Elsa. Ah, Kiren. Après, Eliane, elle verra la... Non, j'ai pas mis le bonus, Arcalia. Je veux dire... Non, je me suis mal exprimée. Je lui ai validé de nature. Je lui ai validé de nature, mais pas le bonus. Mais je veux dire, je lui ai validé. Parce qu'il y en a à qui j'ai refusé même le point... Enfin, même un seul point, tu vois ce que je veux dire. J'aurais pu lui mettre en industriel. Mais là, non, parce que c'est juste des vêtements. Enfin, voilà. Alors, Elsa qui nous a fait un Kirby industriel qui est dans le 3W. Très bonne idée en vrai, hein, la petite ville dans les yeux comme ça. Mais oui, je me suis mal exprimée, Arcalia. Pas de soucis, Nécède, te rends pas malade. Profite des colos. C'est beau, j'adore, j'adore, sublime, trop joli, j'aime trop l'œil. La palette est canon, joli. Très beau, ça va trop bien avec hein, le jaune et le violet. Quel œil! C'est trop beau, il y a une ambiance désertique. Très joli. Bah grave Aurélie, c'est rare quand même. Si, et Clara Markova, ça pourrait arriver, mais... Trop beau, j'adore. Superbe. Re-rose. Très joli. Ouais, carrément. Celle-ci aussi, il va falloir qu'on se la coltine. Mais en vrai, ça va. Quel bel œil de dragon, la peau est super bien réalisée. Les ombrages sont chouettes, l'œil est canon. Bravo pour le rendu, c'est magnifique. Merci beaucoup Elsa, c'est trop beau. Merci, merci, super idée en plus celui-là. Mais de rien, merci à toi. On passe à la sixième participation. Oli. Yasmine. Oli qui nous a fait un Johanna Basford qui est dans le... Attendez, ça je sais. Dans l'avant-dernier Johanna. J'adore le mélange des teintes, il fait peur ce dragon. Oui. Attendez, c'est l'avant-dernier Johanna. C'est le... Ah, je me souviens jamais. Monde secret... Non, pas monde secret. Monde secret, c'est Kirby. Comment ça s'appelle, là, mon dernier? Room of Wonder. Ouais, voilà. Superbe. Très printanier, bravo. Superbe. Ça donne fin à les fraises. Très frais comme choix de couleur. C'est joli, j'aime bien cette chilu. Ouais, elle est cool. C'est un superbe mandala.
très jolies, les jolies fraises. Hyper printanier, des fraises j'adore. Elles sont hyper bien réussies. Très jolies. C'est beau ce mandala, bravo. Grave, Néo. Mais monde rêvé, merci Yasmine. Quel boulot toutes ces feuilles, mais grave. Ah, Room of Wonder, c'est le dernier. Oui, non, c'est pas Room of Wonder, c'est mes mondes rêvés. Parfait pour la saison, c'est très joli. Bonsoir Miss Mondi, y a pas de souci, t'inquiète pas. On est à la 6e participation, mais t'auras le replay si tu veux regarder les merveilles de tout le monde. Est-ce un duo chrome? Ouais, c'en est un, carrément. Ah, quoique non, non, c'est un trio chrome. Y a du vert, du jaune et du rouge. Bref, en tout cas, ça fait le bonus, évidemment, c'est un Johanna, donc... Pas de soucis, il n'y a pas de truc industriel, quoi que ce soit. Ce ne sont pas des fraises en plastique, donc tout va bien. Un petit mandala qui donne envie de manger des fraises. Elles sont super bien réalisées, simples mais super efficaces, j'adore. Bravo pour le rendu. Très joli, très frais. Tout joli, trop joli. Ouais. Merci beaucoup, Oli. Merci beaucoup. Vous avez bien dépoussiéré vos joies à Bassford, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Merci. Là aussi, il n'y avait pas besoin de fond. On passe à la 7e participation qui est Matt. On retourne dans du Kirby. On est encore dans le 3W, vous l'avez beaucoup beaucoup sorti. Et celui-là, vous allez le revoir plusieurs fois. Vous avez fait un colo de groupe sans faire exprès, je pense. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait. La petite page du livre ouvert dans le 3W avec des très belles couleurs. Magnifique, superbe, trop beau, magnifique, trop joli. Waouh! Waouh, magnifique double page, très beau, waouh, très beau. Une merveille. Jolie ambiance. Waouh, je l'adore. Là aussi, pas de fond d'ailleurs, mais c'est trop bien en vrai, c'est trop beau. Parce qu'on se concentre que sur l'essentiel en fait. Trop beau, j'adore les couleurs. Très beau, et ce bleu, ouais, il est trop beau le bleu. Carrément. Trop beau, bravo. Ah là là, cette page, je suis totalement fan du rendu. Que c'est beau et super bien trouvé le combo bleu-gris. Bravo Matt, tu as fait une merveille. C'est le World Within Worlds, Grunty. Le 3W. Il est magnifique, quel boulot. Ouais, carrément. Très très chouette. Merci beaucoup Matt. On a aussi le bonus bleu. Ah ouais, j'avoue, elle a pré-shot. Elle a pré-shot le bonus de la fois d'après. Merci beaucoup Matt. Bon, ça rapporte que 3 points, pas 6. Faut pas rêver quand même. Merci, merci. On passe à la 8e participation. Sandy Lee. On repart sur du Johanna Bassford. Je crois que c'est aussi dans l'avant-dernier. Je crois. Il me semble que... Voilà. En tout cas, elle a rajouté le paysage au centre. Il n'y a rien, normalement. C'est juste une couronne de fleurs. Mais elle a 3 points, hein, c'est un Johanna Bassford. Tout va bien. Très joli, waouh, trop joli, magnifique, magnifique, et ses couleurs, superbe, super ciel, magnifique, et j'adore ce fond, ce ciel est magnifique, très beau, le fond est dessiné, c'est beau, ouais, incroyable le fond couché de soleil, grave, elle s'est dit, allez, je vais faire des rajouts, tant qu'à faire, très beau, splendide. Le coucher de soleil est à tomber, mais grave. J'aime beaucoup le ciel, ouais. Je suis bien d'accord avec vous. Les couleurs sont top. Super poétique cette mise en couleur. On a limite envie de méditer devant, c'est reposant. Quelle magnifique couleur, tout s'harmonise et ça fonctionne. Bravo Sandy Lee. Oui, bravo. Bravo, bravo. Moi je suis surprise en vrai, mais vous êtes nombreux à avoir du Johanna Bassford. Hein. Ça m'a vraiment surpris. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont ressorti leur livre grâce à la battle. Merci à toi, Sandy Lee. T'as géré. Merci, merci. On passe à la 9e participation. Lille. Lille qui, malheureusement, fait partie des nombreuses personnes, il y en a quand même eu pas mal, qui m'ont fait, du coup, un colo pour la team nature, à la base, mais que je n'ai pas pu accepter dans la team nature à cause des petites portes, des petites fenêtres et tout. Alors que c'est très joli. Et c'est du Johanna, donc du coup, bah, je compte un point pour industriel, parce que, bah, voilà, je vais pas... J'ai pas refusé la participation, hein, mais... Et du coup, ça passe pas en bonus, ça passe en industriel, un point. Voilà.
très jolie. C'est ta faute. Mais non, c'est grâce à moi, Danou. C'est super de sortir les Johanna Basford. Même moi, hein, je me suis du coup fait ressortir mon Johanna. Trop beau, superbe, très joli. Il est beau, tout doux, jolie fleur. Super beau. Il est magnifique, hein, j'aime bien l'ambiance. J'aime bien les fonds aussi qui prennent pas toute la page comme ça. Super beau, superbe. Dommage car c'est une belle réalisation. Ouais, désolée la team nature. Désolée. Trop mignonne cette maison champi. Oui. Et ça aussi, vous allez le revoir, cette petite maison champignon. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait. Il y en a qui ont refait un colo, mais il y en a qui n'ont pas refait un colo. Donc vous allez la revoir. Voilà. Un style totalement différent, plus sombre et un côté plus réaliste, c'est vrai. Et qui fonctionne tellement bien, j'adore. L'idée est très chouette, bravo. C'est superbe, vraiment, j'adore l'ambiance. Tout choupi le champi. Trop chou ce champignon, grave, c'est trop mignon. Merci beaucoup Lille et désolée d'avoir refusé ta team. J'aime pas en plus vous refuser, j'aime pas ça. C'est la battle où j'ai le plus refusé. Je suis désolée. Merci beaucoup. Oh, c'est trop cool Aurélie, ça c'est génial. Arcalia. Arcalia qui nous a fait un coloriage de Rox et Rookie, qui marche du coup aussi pour notre Disney défi du mois. Et je crois que c'est dans le Nature, c'est ça Arcalia? C'est dans le Bodoni Nature, je crois. Les Disney, je connais pas très bien. Donc elle rapporte un point pour la team Nature. Vous vous rattrapez la team Nature, vous êtes à égalité, c'est bon. Ouais, grave Grundy, carrément. J'adore, superbe, trop beau, trop joli, trop beau, canon. C'est ça, ok, j'ai bien retenu. Trop chou, ils sont trop choupis. Choupis, splendide. The Lem, si doux et mignon, oui. Du Disney, du Disney. Vous pouvez faire du Disney pour les battles, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il est choupi ce colo, ouais. Trop beau. Ah, c'est dans le chef-d'œuvre. Pourquoi elle me dit que c'est ça alors, Arcalia, c'est la pire? Je lui dis c'est dans le nature, elle me dit c'est ça. Arcalia, tu m'épuises. J'adore, c'est joli, trop joli, trop mignon. Oui. Oups, non mais elle sait même plus. Elle sait même plus dans quel livre elle colorie. Et c'est pas moi qui sais pour les Disney. Hein. Rox et Rookie, mais ça fait super plaisir de les voir. C'est super beau, les couleurs sont douces et j'aime beaucoup le fond un peu cotonneux. Bravo Arcalia, tu as géré ces canons. Ah, il est dans les deux, ok. C'est pardonnable alors dans ce cas-là. Je sais pas, j'ai ni l'un ni l'autre, donc je vous avoue que j'en sais rien. Si vous le dites, je vous crois, voilà, c'est l'avantage. Bah merci beaucoup en tout cas pour ce joli petit Disney Arcalia. Merci à toi. Peu importe dans quel livre il est, dans tous les cas, merci. On passe à la 11e participation qui est Nolwenn. Ah bah on retourne dans le 3W, décidément. Il a eu la cote. Pour la team industrielle, 3 points, bien sûr, c'est un Kirby. On va beaucoup dans le nature en ce moment. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Superbe. Oui. Le petit singe blanc. C'est un singe Loki. Elle nous a fait un singe Loki. Très joli. Trop bonne idée, le singe blanc. Carrément, il ressort super bien. Il est reposant, celui-là. Splendide. J'adore le choix des couleurs. Grave. Avec un bel effet poil. Hein. C'est dur, l'effet poil blanc. Le fond est super original. Ça fait estampe japonaise. Je sais pas du tout avec quoi ça a été fait, mais c'est vrai que c'est très sympa. Magnifique. Petit air sympa, ce macaque. Très beau. Trop joli. Il a l'air un peu granuleux, son fond. J'aime bien ce que ça fait. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce qu'elle a utilisé, mais... Mais c'est sympa. Trop joli, trop beau. Oui. Carrément. Cette super idée. Faire ce magnifique petit singe blanc. C'est super bien trouvé. Bravo pour les rajouts en fond. Ça ajoute une super ambiance. Bravo, j'adore. Oui, c'est vrai qu'il y a des petits rajouts. La lune, les nuages et tout, c'est pas... On les a pas de base. Voilà. Voilà, voilà. La palette de couleurs est bien pensée, grave. Bravo pour cette harmonie. Trop beau, ouais. Merci beaucoup, Nolwenn. Merci beaucoup. On a eu beaucoup de World Within Worlds pour l'instant. Je n'avais même pas remarqué quand j'ai pris vos colos, c'est fou. On passe à la 12e. Princesse. Oui, princesse qui retourne dans du Johanna Basford avec une double page de la mort. Je
pense qu'on peut lui. Je pense qu'elle a la palme d'or du colo le plus long, à mon avis, de cette battle. 3 points pour Nature. Je sais pas dans quel c'est. Enfin, dans quel Johanna Basford c'est, par contre. En tout cas, je suis contente de pas avoir ce Johanna Basford à faire. Voilà. Ça doit être long. Tellement long. Trop beau. Magnifique. Magnifique. Waouh, quel boulot. Superbe. Waouh, mais quel double page. Incroyable. Bravo, princesse. Très joli duochrome. Oh my god, bravo, c'est beau. La patience, bravo. GG, princesse. Très joli. J'adore. Bravo pour la patience. On en a plein les yeux avec toutes ces fleurs. Mais grave. Oh là là, au queue de fleurs. Bravo pour la double page, c'était joli. Ah ouais, quel courage. Top, mais grave. Oh là 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 là. En plus, tout en duochrome. C'est toi. Bah franchement, princesse, t'as la couronne du colo le plus long, là. Tu mériterais limite 6 points, en fait. Il est trop beau. Et oui, quelle patience. Oui, elle mérite. Quel courage. Bravo pour l'harmonie des couleurs. Ça n'a pas dû être facile. Oh, non, mais ouais, grave. La patience pour faire des pages comme ça. Ah, les papiers peints avec des fleurs et des feuilles. Quel travail. Bravo. Oh, punaise, un sacré boulot pour cette magnifique double page. Les fleurs sont magnifiquement réalisées. Bravo, princesse. Tu as fait une merveille. Bravo. C'est fastidieux à faire les papiers peints, mais quand c'est fait, ça rend trop bien. Mais tellement Grundy. Moi, j'étais trop contente aussi de faire un papier peint de Johanna Basford pour la battle. Je l'aurais jamais fait sinon. C'est génial en vrai. Trop trop cool. Et il n'y a pas de fond et ça rend trop bien. C'est tellement chargé en fait qu'il n'y avait pas du tout besoin de mettre un fond. Merci beaucoup, princesse, pour cette double page. Merci à toi. On passe à la 13e participation. Très beau et quel boulot, mais grave. Gamely. Alors, par contre, c'est pour l'industriel, mais je pourrais pas vous redire l'illustrateur. Je ne sais plus. Si quelqu'un sait par hasard, je sais que c'est pas des livres très très répandus. Ça nous fait voir d'autres illustrateurs, mais je pourrais pas vous redire, désolée. Gamely, si tu regardes le replay, n'hésite pas à nous le dire en commentaire si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Peut-être Lenny Dao, ouais, Julie, peut-être. Je suis pas sûre, mais c'est peut-être ça. C'est trop beau, trop trop mignon. Original, j'aime bien. Magnifique. C'est rigolo, j'adore. Très beau. Très joli et original, Lilu. Jolie couleur, très poupie. Merci Magic Création pour ton follow, bienvenue à toi. On est en train de regarder les colos de tout le monde pour notre battle. Mets tes lunettes de soleil, on en prend plein les yeux depuis tout à l'heure. On est à la 13e. J'adore le style de l'illustration. Ouais, c'est sympa, hein, ça change. Trop choupi, trop kiki. Oh, mais elle est extra cette Chilu, j'adore. C'est super original et super bien mis en valeur avec ses couleurs. Bravo, c'est vraiment chouette. Emily Showa peut-être. Je peux pas vous dire. C'est marrant comme il lui, ça passe trop bien pour le thème, c'est très mignon. Ah oh, bah ça passe tout à fait. Ça change, c'est joli. Remaeva. On n'a pas vu ton colo encore. On en est à la 13e participation, on en a un peu plus de 50 à regarder. Accrochez-vous, on en a encore. Merci beaucoup Gamely, en tout cas ça change. Et je crois qu'elle avait participé avec la même illustratrice à la battle d'avant, mais je suis pas sûre à 100%. Super, c'est Mimi en tout cas. Grave. Merci beaucoup Gamely. On passe à la 14e participation. Ah, oh, c'est l'Hurluberlu de Croque-Mou. Non, c'est pas l'Hurluberlu qui a colorié. Hein. Bref, vous avez compris. Croque-Mou qui nous a fait un colo team nature. Qui rapporte un point dans le mythographie. Ouh, attention, attendez, j'ai pas celui-ci. Croque-mou, je vais essayer de pas me tromper. Attendez, je l'ai jamais eu ce mythographique, mais ça doit être. Je pense que c'est un Fabiana. Je suis pas sûre. Je pense que c'est un Fabiana Athanasio. Dream Garden. Non, bah non, pas Dream Garden, y a pas de garden là, c'est un phoque. Wild Winter? Ah, je sais pas. Bon, tu peux nous le dire, Croque-Mou. Je ne sais pas. Je m'estime vaincue. C'est si beau, bravo. Très joli. J'adore les couleurs. Très mimi. Il est tout trop mignon, j'adore. Trop mignon. Trop chou, ce phoque. C'est trop mignon, mais les couleurs sont toutes douces. Ah, c'est Ménagerie. C'est Ménagerie. Il me semblait que c'était du Fabiana. Je l'aime trop, Ménagerie. Il est trop beau. Faut pas craquer. Faut pas craquer. Faut pas craquer. Trop beau avec des couleurs si douces. Il est trop chou. J'adore, c'est choupi. Trop beau. C'est un bibifoque, mais qu'il est mignon, ses couleurs. L'eau est à tomber. Bravo, vraiment, j'adore. C'est trop beau. Oh, c'est ton premier mythographie. C'est génial, Croque-Mou. Mais je savais même pas que tu l'avais. Il faut pas que je craque.
Là, il y a mon cerveau malade qui est en train de se dire « Crac, comme ça, tu feras des duos avec Croque-Mou. » Non. 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 J'ai déjà un mythographique de Fabiana. Ok. Il a été dans ma wishlist pendant un moment, en plus. Non, je craquerai pas. Je craquerai pas à cause de ce fuck. Peut-être que si. Bon, allez. On va passer à la participation suivante avant que j'achète un mythographique. Mignon. Oui. Il est choupi. Très joli. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Croque-Mou. On passe à la 15e. Non, Elsa. Ah, Ritsu, ici présente, qui nous a fait un Fantomorphia. Je sais jamais. Ah, ouais, il est dans le best-of. Comment s'appelle ce best-of? Ah, ça y est, mon cerveau, je vous dis, il est resté avant le live. Wondermorphia, voilà. Il est dans Wondermorphia, dans tous les cas. Très joli. J'adore. Waouh, trop beau, superbe. Waouh, encore une merveille de Ritsu, toujours. Oh là là, le ciel. Une tuerie de la mort de waouh. Dano. Kaléidomorphia, ok. Oh my god, il est sublime. Le ciel et les nuages sont magnifiques. Magnifique, j'adore. Oh mama, c'est sublime, magnifique. Wondermorphia aussi, ouais. Ouais, ouais. Il est dans plein de livres, mais... Ce colonne malade, je suis amoureuse du fond. L'illustration est magnifique, j'adore l'ambiance fantasy et les couleurs choisies, il est vraiment sublime. Canon, ah il est dans Géomorphia à la base, ok. Extraordinaire ce ciel, ce fond est superbe, magnifique avec un ciel splendide, oh là là c'est magique. Il est magnifique ce ciel, bravo. Donc ça fait bien sûr 3 points pour la team industrielle. C'est un Kirby. Quelle ambiance fantasy magnifique. Ce fond j'en tombe à la renverse, les nuages sont canons et le palais fabuleux. Bravo pour ce petit chef-d'œuvre. Toujours aussi fan de ton style, hein, Ritsu, quand même. Je crois que je suis pas la seule, mais... Superbe, ouais. Grave, grave, grave. Merci, Ritsu. Tu as mis le point. Ouais, je l'ai mis. Un point. Attends, je te montre. Là. Un point. C'était toi. Je sais pas si vous voyez bien. T'inquiète, t'inquiète. Je l'ai mis. Mais merci à toi, Ritsu. Allez. Grundy, j'adore. Néo. Néo qui nous a fait ce petit colo de... C'est un petit étang, une petite mare. On est d'accord que c'est du Johanna Basford, Néo. Hein. Je ne sais pas dans lequel c'est. Je sais que t'en as... Je crois que t'en as plusieurs. Dis-moi dans lequel c'est. J'adore ton effet eau. C'est trop stylé. Ça donne trop envie de faire des colos comme ça. Donc je rapporte 3 points à la team nature. Puisque je suis presque sûre que c'est du Johanna Basford, mais aucune idée duquel, par contre. Magnifique. Superbe effet eau. Superbe. Bravo pour l'effet eau. Magnifique cette eau. Très beau. J'adore cette eau. Mais qu'il est beau l'effet surface de l'eau, canon. L'eau est trop belle, tout est parfait. C'est beau. L'effet eau est super bien fait, grave. On s'y croirait, j'adore. C'est rafraîchissant comme colo. Ça donne envie de plonger dans cette magnifique eau. Ouais. Dans le magical jungle. Ok. Cool. Il est tout joyeux. Ouais. Magnifique. Trop réussi cet effet surface de l'eau. Magnifique, j'adore, trop stylé. C'est magnifique et l'effet eau est top, on a envie de s'y baigner, mais carrément. Très joli. L'effet eau est tellement belle, c'est canon. Bravo pour les nénuphars et la couleur des feuilles, ça contraste bien avec la couleur si claire et pétante de l'eau, bravo. On a envie d'y neiger, carrément. Ça donne trop envie de tester les effets comme ça. Merci Néo. Merci, merci. On passe à la 17e participation. Suki, qui nous a fait de retour dans le World Within Worlds. 3 points pour la team industrielle. Qui nous a fait le serpent du World Within Worlds. Décidément, je pense qu'en vrai, avec toutes vos participations, on fait la moitié du World Within Worlds. C'est plutôt cool, hein, en vrai. On devrait tous réunir nos colos, comme ça, on finirait le livre. Suki, c'est trop beau.
Magnifique. Stylax serpent. Superbe. J'adore. Magnifique. Il me dit chut, celui-là. Trop canon, ma souk. Trop joli. Original, le serpent rouge, c'est beau. Oh waouh, il a une drôle de tête, le Poudlard Express. Ouais, il est un peu parti en cacahuète. Il est majestueux, ce serpent. J'adore l'ambiance. On ressent bien la chaleur. Bien joué. C'est beau, oui. J'ai pensé le faire aussi. Trop joli. Bravo. C'était une bonne idée aussi celui-là. Hein. J'adore les couleurs, je vais acheter ce livre, c'est sûr. Ah, vous allez tous craquer sur 3W après la battle. Ce serpent. Mais comment tu as assuré ces canons tout en rouge comme ça, je suis complètement fan. Ça contraste bien et ça le met en valeur. Bravo Suki. Oui. Bravo, bravo. C'est moi, j'ai failli rater. T'as encore les commentaires à lire si tu veux. Merci à toi, Suki. Vous êtes à... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 15, plus 3, 18 pour la team nature. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21 pour la team Indus pour l'instant. 18, 21. Voilà. Je vous fais un petit. Il est trop beau le cobra. Merci à toi, Suki. Arrive après la bataille de fou. Allez, on passe à la 18e. Aline. Alors, encore une page de l'enfer. De Johanna Basford. Je ne sais pas non plus dans lequel c'est. Page de l'enfer, mais en vrai. Je pense qu'elle a fait beaucoup de stylo gel et ça a dû être quand même assez détente. Enfin, détente. Très long, mais plutôt détente quand même. Dans son genre, on va dire. Je mets 3 points à la team nature. Joli, bravo, magnifique. Mais waouh! Très joli. C'est beau, superbe. Bravo, quel travail. Oh là, bravo, c'est joli. Encore un sacré boulot sur ce colo. Quelle patience. Mais tellement. Encore un magnifique mandala et quel rendu. Le doré rend super bien avec ses couleurs froides. Bravo pour cette pépite. Trop géré, j'aime beaucoup. Mais grave. Les couleurs, elles sont trop belles. Attendez, je vais. J'ai chaud. Vous me donnez chaud avec vos merveilles là. Ça vous donne pas envie de faire du mandala? Moi presque. Hein. Avec les beautés qu'on a vues là, ça me donnerait presque envie de faire du mandala. Le bleu et le doré s'accordent super bien, c'est très joli. Bravo pour la patience. Ouais, franchement super bien. Merci beaucoup Aline pour ta participation. Non, ça va. Oh, vous êtes pas fun, hein? Oh ouais, c'est clair, Kat. Allez, on passe à la 19e participation qui est Argarath. Coucou Gamni, on a vu ta participation. Merci beaucoup en tout cas pour ton colo. Argarath qui nous a fait du coup le papillon de Imagimorphia que je vous ai montré tout à l'heure, qui rapporte 3 points à la team industrielle et qui bien sûr l'a fait en groupe. Vous allez en voir d'autres. Bah, déjà, j'étais dans le groupe. Après, est-ce que j'ai donné mon colo industriel ou mon colo nature? Vous verrez. En soi, je fais pas la différence. Hein. Je vous le dis, pas aujourd'hui. Canon, une merveille, magnifique, chouette, sublime, magnifique. Trop classe ce papillon, il est sublime, le fond est super texturé, ouais. Trop beau, j'adore le fond, il est incroyable, c'est trop beau, quel magnifique papillon. Salut Tommy! Ah Tommy, t'as voté, cool, t'as pas loupé la prédit. Magnifique, trop joli, incroyable, tous les effets sont dingues, trop joli, j'aime beaucoup le fond. Magnifique ce papillon, ouais. Carrément. Les couleurs sont super belles aussi. Il ressort super bien en fait. Sublime,
Sublimissime. Non mais tout est top. Le papillon est super lumineux, on dirait qu'il est enflammé et le fond est dingue. Les couleurs vont trop bien ensemble aussi. J'aime vraiment beaucoup. Oui. Ce colo est une pure dinguerie. Le fond est super bien pensé et cette aura autour du papillon le met en valeur. Papillon est une vraie merveille. Bravo, Argarath. Bravo, il est superbe. Je n'ai pas réussi à le finir. Ah mince, Kat. C'est pas grave. C'est pas grave. Merci beaucoup, Argarath, pour ta participation. Et vous allez le revoir après. On passe à la 20e participation. Laurence. Laurence qui nous a fait un Johanna Basford. C'est peut-être le Magical Jungle. Je suis pas sûre. En tout cas, ça fait 3 points pour la team nature, ça c'est bon. C'est acté. Très stylé. Les petits Johanna Basford avec des animaux aussi, c'est bien, ça change. Ça me donne envie d'en faire en vrai du Johanna, j'aime bien. Les couleurs sont toutes douces, trop mignon. C'est beau, tout doux, magnifique, trop joli, très joli. Mignon et doux comme j'aime. Encore une beauté, ouais. C'est encore mignon. Trop beau, j'adore. Les petits fonds, ils sont tout doux, mais ça va trop bien. Superbe. Et bienvenue, Magic Création. Très mignon, les couleurs sont bien choisies, carrément. Trop beau, tout doux. Un petit colo tout doux qui a demandé du boulot, mine de rien. Pas mal de détails et des tons différents dans chaque couleur. Bravo, c'est magnifique. Une merveille. Trop belle page. Les teintes sont douces et bien choisies pour l'ambiance de ce colo. Oui, absolument. Merci beaucoup, Laurence, pour ta participation. On passe à la 21e. Manon. Manon qui fait malheureusement partie des teams nature qui ont été reléguées à la team industrielle. Désolée. Désolée. Voilà. Du coup, ça fait un point pour la team industrielle. Comme il y a des portes, une lanterne, une échelle, tout ça, tout ça. Bonjour Magic. Et bah, bienvenue à toi. Ça fait plaisir en tout cas. Tu nous découvres sur la battle, tu vas avoir des merveilles. On a encore une trentaine de colos à regarder. Très beau et apaisant. Ça fait monter ma dopamine de le regarder. Je vais me sentir comme après une séance de méditation. Excellent. Trop joli, tout doux, très joli. Joli, superbe. Y a pas de souci, Magic Création. T'inquiète. Tout doux, tout mimi. J'aime trop cette illustration. Je sais pas dans quel livre c'est pour le coup. Je pense que c'est du Johanna Basford, vu les feuilles et tout. Peut-être Jardin Secret, mais. Je suis pas très convaincue. Je les ai pas ceux-là, donc. Il y a des livres que je connais mieux que d'autres. En tout cas, elle est très très belle, Libu. Très jolie, superbe. Très mignonne cette petite scène. J'aime beaucoup cette maison de fée des bois. C'est super bien réalisé. L'effet lumière de la lampe est top. Bravo, c'est canon. J'aime bien aussi la lumière qui sort de la porte. C'est une super idée. En mode. Ouais, j'aime bien. Ça donne envie d'y rentrer du coup. Merci beaucoup, Manon. Ah, le forêt enchanté. Oui, pas bête, c'est vrai. C'est vrai qu'il existe celui-là. C'est plutôt ça, je pense. T'as raison, Kat. Merci beaucoup, Manon. On passe à la 22e. Pumpy. Pumpy qui nous a fait un petit boule de poils. On a plus de musique d'ailleurs, là. Ah si, elle est discrète. Non, bah, c'est pas boule de poils, si. Non, c'est nature de Diane Dufour. Oh, je sais pas. Non, boule de poils, ok. Super, trop chou, trop joli, trop chou, couleur douce, trop mignon, magnifique, tout chou. Du coup, ça fait un point pour la team nature. Encore une mignonitude, trop mignon, trop mimi, très doux, chou. Pas du tout Magic. Non, non. En fait, on donne chaque mois un nouveau thème avec deux teams qui s'opposent. Si tu fais. Enfin, en vrai, je t'invite à regarder sur YouTube. Je fais des vidéos d'explication.
Et tu peux les retrouver aussi sur mon Insta, les petites fiches avec les thèmes de chaque mois, les dates, tout ça, comme ça. Comme ça, tu le sais. Et là, du coup, on a terminé notre 10e battle. Ça, c'est notre 10e battle. Trop beau ces animaux, trop mignon ce petit Diane Dufour. Les couleurs sont très harmonieuses, très beau, trop joli. Trop joli, ça fait vraiment plaisir de voir des animaux dans les colos. Les couleurs sont super jolies et les pelages des animaux sont canons, bravo. Avec plaisir, Magic Création. Et là, du coup, on compte les points, en fait. Là, le bonus, il fallait. Pour ce bonus précisément, il fallait un illustrateur précis. Pour nature, il fallait faire du Johanna Basford et pour industriel, du Kirby Rosanne. Mais les bonus et les thèmes changent tous les mois. Voilà. Merci beaucoup, Pampi. C'est trop chou, tellement mignon. Ouais, grave. Ça change, hein, Diane Dufour. On n'en voit pas tant que ça dans les battles. Merci, Néo. Julie! Julie qui nous a fait. Vous devez avoir une impression de déjà-vu. Le papillon dans Imagimorphia, oui. C'est trop stylé. Là, il n'y a plus de musique, ça me stresse. On va remonter un peu le son. Je sens qu'elle va s'ambiancer et tout, mais désolée. Je vous remets les colos. Magnifique, j'adore. Trop beau, très jolie version. Très beau, canon, trop beau, j'adore l'ambiance. Grave. Il est magnifique, magnifique, bravo, j'adore. Oui. Complètement différent, mais trop beau aussi, carrément. C'est notre ambiance, c'est génial. C'est beau les couleurs, waouh. Canonissime, bravo Julie. Trop beau. Merci à toi, merci à toi. J'aime bien le petit parapluie bleu là qui s'est perdu. Ça me fait rire. Ça ressort bien. Du Julie tout craché, ouais. On reconnaît bien le style de Julie. C'est super stylé, les couleurs sont. Waouh! Les bacs qui fait un peu galaxie. Le bac qui fait un peu galaxie, je suis fan. Bravo Julie, tu as fait une merveille. Superbe ambiance, j'aime beaucoup le côté or, c'est très bien fait et contrasté. Grave. Très joli. Merci beaucoup Julie. Trop canon! Il y a trop de haut, je peux pas le faire, j'ai pas assez de souffle. Merci. On passe à la 24e, Usana, qui nous a fait un petit Johanna Basford qui rapporte 3 points, évidemment. Johanna Basford dans l'avant-dernier, je crois. Je suis pas sûre. À chaque fois, je le dis, mais sans conviction. Je crois que c'est l'avant-dernier Johanna. Je sais qu'il y a un chat dedans, mais je suis pas sûre que ce soit lui. Je crois que c'est lui. Mignon, tout doux. Trop mignon. Adorable. Trop mignon. Très beau. Un chat tout en couleur. Jolie palette, tout doux. C'est tout doux. Le fond, il a de la texture aussi, c'est stylé. Ça doit être de la patouille, je pense. C'est chouette. C'est superbe, oui. Quel mignon chatounet, les couleurs sont bien choisies et le rendu est magnifique. Bravo. Trop beau ce chat. Merci beaucoup, Isana. Très mignon, doux et apaisant. Je pourrais le regarder pour m'aider à m'endormir le soir, mais grave. C'est pas faux. Merci à toi. On passe à la 25e participation qui est Chibi. Trop mignon. Oui. Chibi qui a été aussi dans Imagimorphia. Franchement, World Within World, Imagimorphia, ça a eu la cote. Hein. Imagimorphia avec les dirigeables. Vous allez voir que il y a eu un duo sans faire exprès aussi. Magnifique. Oui. Il y a plein de couleurs. Très beau. Quel boulot. Splendide. Magnifique double page. Plein de jolies couleurs. Superbe. Trop joli, bravo. Des couleurs qui pepsent. Double page de folie. Magnifique, quel travail. Il y a des gamins qui pleurent dehors. Je sais pas si vous les entendez, la fenêtre est fermée, mais. Double page incroyable.
Ça donne trop envie de la faire. Canon les dirigeables. Mention spéciale pour le fond jaune, j'adore. Les couleurs, tout ce que j'aime, il est parfait, bravo! Oui, j'avoue que le fond jaune, il ressort super bien. Trop joli. Très beau, il peps. Très joli, c'est lumineux. Ouais. Merci Chibi. Ah, Imagimorph a dépoussiéré aussi. On passe à la 26e participation, qui est Wissandra. Wissandra qui nous a fait un Johanna Basford. Alors, par contre, dans quel livre aucune idée. Superbe, j'adore. Ça change, hein, ce type de lieu aussi. Trop beau. Joli toutes ces couleurs. Oui. Très beau. Joli. Splendide. Vraiment magnifique. Trop beau, on dirait un Rita. Ouais. Mais c'est un Johanna Basford, je pense. On dirait pas Rita Berman. Ah, 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 ah. Quelqu'un pour trancher. Ça ressemble à Rita Berman et ça ressemble à Johanna Basford, en fait. Je trouve que ça fait Rita Berman. On dirait Rita Berman. Ah. Quelqu'un a-t-il ce livre? C'est trop beau, trop joli. Quel boulot pour cette double page. Trop beau, très nature. C'est pas le style de Johanna. Quelle magnifique double page et quel boulot. Tout se marie bien, c'est fabuleux. Une superbe fresque qui fait plaisir aux yeux, j'adore. C'est joli. Je vais aller vérifier si ça a été précisé. Hop. Attendez, on va faire une vérification. C'est du Rita. Alors, hop, on va aller vérifier ça. Tac. Je vous remets en live scène pour pas que vous voyez mes messages avec tout le monde. Je vais aller regarder. Si c'est précisé, hein. Si c'est pas précisé, je vais me faire voir. Alors, on a toujours quelque chose comme ça dans les battles, hein. Un moment où on sait pas. C'est souvent. Il y a souvent une personne pour qui on se pose des questions. Ça fait plus de suspense pour les points. Après. Alors. J'ai pas de précision. Alors, hop, je vous remets. Le printemps. Vous êtes sûr ou pas? C'est sûr à 100% que c'est Rita Berman ou... Genre, vous avez le livre et vous savez. J'ai trouvé. Alors, du coup, Danou. Hop, je me remets là, le colo. Il est où mon petit carnet? J'ai perdu mon calepin. C'est dans le livre Saison. De Rita Berman, du coup. Ok, et bah un point pour nature. D'où l'importance de me dire dans quel livre viennent vos colos. Merci d'avoir regardé, les filles. Merci beaucoup. Merci Yasmine. Nickel. Heureusement que vous êtes là parce que je les ai pas ceux-là, donc je peux pas vérifier. Le printemps. Merci beaucoup. Merci Wissandra, en tout cas, elle est très jolie. Merci, merci. On passe à la 27e. Merci, vous gérez. Maïsa, vous avez une impression de déjà vu, c'est normal. Duo improvisé. Maïsa, par contre, rapporte le bonus à sa team. Elle rapporte le bonus à sa team. C'est bien encore une fois le World Within World. Là, il n'y a pas de doute. Kirby, ça se reconnaît, il n'y a pas de doute. Très joli. Joli ce duo. Trop beau, tout en doré. Autre ambiance, mais très joli. On a du bleu aussi, hein, mais pas le même bleu. Joli. Magnifique cette double page. Je viens de m'écrire dessus. Belle version, canon. C'est beau, Maïsa. Vos deux versions sont trop belles.
J'adore, les couleurs sont trop belles, cette double page est si belle. Très jolie version, en doré cette fois-ci. Jolie, trop canon, j'adore. J'ai transpiré pour ce colo, mais oui. Avec ton fond, Maïsa, où t'as eu une galère. Une ville super lumineuse et dorée, super beau, et ses couleurs sont très bien pensées, j'adore. Bravo, ce rendu est parfait. Belle couleur et la fumée rend trop bien. J'adore cette illustration magnifique. Beau duochrome, vive la team industrielle. Splendide. Super, très... Superbe, très belle double page. Je fais des soupes avec vos commentaires en fait. Je les mélange, voilà. Des soupes de commentaires. Merci beaucoup Maïsa pour cette très jolie double page en tout cas. Merci à toi. Non, non, franchement Maïsa, ça, on y voit que du feu, qu'il y avait une galère. On n'y voit vraiment que du feu. Moi je le sais donc voilà, mais les autres, on n'y voit que du feu. Très beau, j'aime beaucoup. Merci beaucoup Maïsa. Merci à toi. On passe à la 28e. Ah, là c'est Johanna. Carole, qui nous a fait un Johanna Basford. Ah oui, là ça se voit. Il y a moins d'hésitation là pour le coup. Par contre, je sais pas du tout dans quel livre c'est. Désolée. Non, aucune galère, Grunty. Il est magnifique. Superbe, joli. Des fleurs. Et pas de fond. Et ça va trop bien. Très beau, parce que la banderole, du coup, elle ressort super bien. World of Flower. Probable, croque-mou. Bravo pour cette double page. Joli et coloré. C'est joli, on dirait un chemin de table. Carrément. Ça pourrait, ça pourrait. Très jolie frise, ouais. Des fleurs en voiture, en voilà, c'est magnifique. Mais grave. On dirait un chemin de table. Trop bien. Très coloré, superbe. Très joli. Ouais. Super double page. Quel boulot avec toutes ces fleurs différentes. Les différentes teintes de vert pour les feuillages. Un fond aurait été de trop. Bravo, c'est top. C'est vrai que le fond, ça aurait... Ça serait nettement moins bien ressorti. Là, c'est top. C'est stylé, c'est stylé. On a plein de Johanna Basford. Je suis contente. Ça change. On n'en voit jamais pour les battles. Merci beaucoup, Carole. Ah, mon bouton, il est cassé. Ah, je dois cliquer, du coup. Mamie. Non, mais mamie, pourquoi nos colos, ils sont toujours petits? Non. Mamie qui a été dans le Imagimorphia aussi, un duo improvisé. J'ai pas pu l'accompagner. J'ai pas eu le temps. Je suis admirative, je n'aurais jamais eu le courage. Mais si. Je me demande si le cadre de frise est sur l'île. Oui, je crois qu'il y est, Grundy. Sublime. Waouh, magnifique, magnifique. Waouh, une beauté, trop beau. Je comprends pas pourquoi nos colos avec mamie sont toujours flous et petits. Alors que les vôtres, non, je ne sais pas. Je fais pas différemment pourtant, mais... Magnifique, splendide, waouh. Une merveille. Waouh, what a surprise. Sans accent, j'adore. Quelle beauté, pardon. Trop magnifique, bravo. Il est trop beau. Après, vous l'avez sur Insta en pas flou, si vous voulez aller voir, c'est plus simple. J'adore ces dirigeables, trop de talent, les couleurs sont top. J'adore. Oui. C'est vraiment beau. Chez moi aussi, ils sont petits. Mais je sais pas pourquoi, hein. Julie, ça fait ça. Je comprends pas. Ça vient de deux téléphones différents. Mais ouais, c'est ça le truc. Le retour des montgolfières. Très belle mise en couleur. Il est super, bravo. J'adore le choix des couleurs. Oui. Les dirigeables, mais qu'ils sont beaux. Le fond est magnifique. J'adore les couleurs des dirigeables. Une vraie merveille. Bravo! La palette de couleurs est canon. Bravo, c'est trop trop beau. Il est trop joli. Très beau la brillance du dirigeable. Et puis c'est que du crayon, hein, dites-vous. Voilà. Il faut rappeler quand même que c'est que du crayon. À part le fond. Voilà, voilà. Merci, mamie. Du coup, elle a été faite dans le Kaleidomorphia. Parce qu'elle a pas Imagimorphia, ma mamie. Le orange est ma nouvelle couleur préférée. C'est du pastel, Kiran. Pastel sec. Bah pourtant Mélo, je pense qu'on n'est pas les seuls à recadrer, ça devrait pas faire ça normalement. Mais ça le fait qu'avec nous. Quel boulot. Ouais. Oui, pastel sec. Ah, tu l'as rajouté Carole, je croyais qu'il y était, c'était super bien fait. Autant pour moi.
Franchement, c'était tellement bien fait, Carole, qu'on aurait cru que c'était déjà sur Lilu. Bravo pour le rendu. Oui. Merci, mamie. Merci. On passe à la 30e. Mon bouton, il marche plus. 30e, qui est Danou. J'ai mis les points. Non. Ok, là je mets les points pour nature. C'est bien un jeu à Anna Bassford. Ça doit être le Magical Jungle, sûrement. Je pense. Danou, les couleurs sont super vives. C'est beau. Magnifique. Canon. J'adore. Moi aussi. Ouais, peut-être Mélo. Je sais pas, mais c'est trop bizarre. J'adore ces fleurs multicolores. Très jolies. Il est tellement beau. Bravo. J'adore. Bravo. Superbe. Très belle couleur. Trop top. Superbe les couleurs. J'adore. J'adore. Quelle intensité. Jolie couleur. L'orage gronde sur la forêt tropicale de Danou. J'adore. Oui. Très beau, joli les couleurs. C'est joli, j'adore les fleurs bleues. Je l'aime trop aussi. Oh là là, vive la jungle tropicale, les couleurs sont trop bien. Carrément. Très joli. Ces oiseaux exotiques sont magnifiques. L'assortiment avec les fleurs, c'est super bien pensé. Il y a une mise en valeur et mention pour les grenouilles qui tiennent les branches. Bravo. Le bleu en met plein les yeux. Oh, il est super flashy. Trop canon, c'est pep, c'est tellement beau. Maintenant j'ai envie de faire du Johanna Bassford. Mais t'as vu? Tout le temps avec ses beaux colos. Vive les toucans et les monstera. Waouh, c'est splendide, bravo. Oui, merci Danou. Tu nous mets des paillettes dans les yeux, Danou. Merci beaucoup. On passe à la 31e, qui est Milady. Milady qui a été dans le nouveau Anna Carlson. Attendez, Tales... From the City Among the Stars, plus long le titre la prochaine fois, et qui nous a fait une double page très industrielle pour le coup, qui rapporte un point à la team. Ça va, Hurluberlu? T'as l'air fatigué. Oh là là. Mais c'est toi qui es choupi, Danou. Les grenouilles sont trop mignonnes, oui. Très beau, joli, trop sympa. Pardon. Trop sympa. Canon, le fond est trop bien fait. Waouh, j'adore. Il y a trop de lettres là dans vos mots. Tu manges quoi? Des tomates et du camembert. Ah, les tomates. Ça me rappelle le live de 10h. Hein? Ça me rappelle le live de 10h, le fait que tu manges des tomates. Trop beau, incroyable avec ce fond. Canon, l'effet métal de la voiture, c'est trop bien fait. J'adore ce livre et cette illustration. Et ce colo est magnifique. Alors c'est qui gagne? Ah, qu'est-ce qu'il y a, Mélo? Pour l'instant, c'est serré. Industriel est légèrement devant, mais c'est très serré. À 3 points près, quoi, c'est pas... Ah, Mélo. Magnifique ce colo, j'aime beaucoup l'ambiance. Pas trop peps, mais pas dark non plus. Bravo pour le fond et la couleur de la voiture. Tout se marie super bien, bravo. Le bruit tomate, le bruit tomate, j'adore. On m'a entendu, permis. Oui, on t'a dit à tes souhaits. Sublime, trop bien, trop beau. Très joli ce colo, j'adore. Magnifique, très beau, ouais. On le voit jamais ce Anna Carlson, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on le voit jamais. C'est trop dommage, il est tellement beau. T'es en train de manger un camembert là. Mm-hmm. Après, j'ai faim. Oh, non mais. Super. Tu m'épuises. Tu m'épuises. Merci beaucoup. Je veux de vous me faire un sandwich. Bah, fais, c'est ta fin. On passe à la 32e participation, qui est Rose. Rose qui nous a fait un Fragile World, qui rapporte un point à la team nature. Ça marchait très bien. Oh, Mélo, arrête. Arrête, tu vas me faire vomir, Mélo. Le petit gavial du Gange. C'est pas un crocodile. Un gavial. Magnifique, c'est tout doux. Ouais, très joli. Un crocro tout doux, j'adore. C'est tout doux, oui. Quelle merveille, c'est joli et c'est tout doux. Ouais.
J'aime trop les teintes. Ça fait automne, mais en même temps tout doux. Enfin, je sais pas. Magnifique. Les couleurs chaudes rendent super bien. Grave, elle en sort trop bien. Oh. Elle était soupouette. Bah oui, elle avait froid. Bonjour Chatouneuf. Toute sèche. Bonjour Chatouneuf et tout propre, qui sent bon. Oh, t'as bien séché. T'es toute belle. Ça va ? Y'a pas de pellicule qui traîne là ? Y'a pas de petite pellicule qui traîne ? Mon chat. C'est trop beau, le fond est très doux et l'animal bien mis en valeur. Bravo d'avoir un peu plus contrasté les nénuphars, ça rend super bien. Bravo ! Très joli et le ciel pastel, j'aime beaucoup. Vous avez une chute partout dans les villes de France ? Trop joli. Non, on est les seuls. Ah oui. Trop joli. Merci beaucoup Rose pour ta participation. En plus tu t'es cassé la tête à faire une double page. Merci à toi. J'aime beaucoup le choix des couleurs. Ouais, carrément. Je t'en vois déjà. Elle a chaud. Mais non, mais elle adore Kiran. C'est pas si chaud que ça si elle se met sous couette. Oui, c'est vrai. Elle aime bien que je fasse ça. De quoi? Le tape-fesse, c'est beau. Merci beaucoup. On passe à la 32e. Oh, une impression de déjà-vu. Je me doute. Non, en vrai, je la frappe. En direct, en plus. Bibou, qui nous a fait un serpent dans le World Vision Worlds, le même que Suki. Un duo improvisé. Merci beaucoup pour ce Kirby. Vraiment, le World Vision Worlds va être terminé, là, à force. Trop beau, j'aime trop, très beau, joli, bravo, joli, trop beau. Le fait que les feuilles soient bleues, ça fait archi bien sortir le serpent orange. Trop beau, très belle combinaison de couleurs encore une fois, ouais. Chaud-froid, de toute façon, ça marche super bien. Trop joli, belle version aussi, ouais. Encore un magnifique cobra, même milieu et une ambiance totalement différente, j'adore. Bravo, c'est une belle réussite. J'adore la couleur du cobra, superbe. Carrément. Trop beau, j'aime le fond et les feuilles stylées. Ouais. Les écailles sont trop bien faites et j'adore le choix des couleurs pour le fond, feuilles. Petit challenge supplémentaire, je suis pas très orange. Ah, mais c'est trop bien, Bibou. Non mais franchement, t'as géré. Les couleurs des écailles, top, ouais. Les petits motifs là sur les écailles, c'est très joli. Merci beaucoup Bibou pour cette participation. Merci à toi. On passe à la 34e, Verveine, qui nous a fait un Johanna Basford dans l'avant-dernier encore, j'ai déjà oublié le nom. Et en fait, c'est un colo en négatif qu'elle a fait. Voilà. Donc faut imaginer les couleurs à l'inverse. Elle a voulu essayer de faire un colo en négatif. Grave, Grundy, ouais. Carrément. Très beau, bravo, j'aime. Superbe. Du coup, ça fait des citrons bleus, j'adore. J'aime beaucoup. J'adore, c'est beau. Oui. Mais mon rêve, merci. Waouh. Très original en tout cas et bien réalisé. Oh, joli. Très beau. Super idée, bah super bien rendre en négatif, oui. N'hésitez pas à aller voir sur son Insta. C'est Verveine Citron sur Insta. Trop sympa l'idée. C'est une super idée, ça m'a pas choqué du tout. Non, c'est pas du tout choquant, ça rend très bien comme ça aussi. Superbe, des couleurs peps, bravo. J'aime bien les couleurs, c'est original, merveilleux. Ouais, avec le petit effet magique autour. Le rendu et le fond est pile poil de saison, grave. Du coup, elle a fait un petit ciel bleu. Faut s'imaginer que c'est un petit ciel bleu avec des petits citrons jaunes, des petites fleurs vertes et des petites feuilles, des petites fleurs, pardon, rouges. Voilà. Encore un fond jaune, j'aime tellement. Jaune, bleu et violet ou rouge foncé, ça fonctionne archi bien. Bravo. Trop beau, c'est super, bravo. Grave.
Merci beaucoup, Verveine. Oui, c'est en négatif, Kiren. Enfin, là, on est en normal, mais en fait, elle l'a fait avec, en essayant de le faire rendre avec les couleurs normales en négatif. Je sais pas si c'est clair. Ça, c'est pas la version négative, hein, c'est la vraie version de son livre. Je pense qu'elle l'a mis sur Insta, sa version négative. C'est joli, les petites volutes magiques autour des branches. Ouais, c'est une super idée. Ça habille très très bien. Parce que là, on est quand même sur une page papier peint. Faut que je teste. Franchement, c'est trop rigolo, Kiran. Essaye. Tu verras, c'est super chouette de faire un color négatif. Très joli, ouais. Merci beaucoup, Verven. On passe à la 35e. Celle. Oh bah tiens, le World Within Worlds. Je vous ai dit, on a fait toutes les pages du World Within Worlds avec cette battle. Donc là, c'est une page qu'on n'a pas vue encore, mais qui fonctionnait très bien pour la team industrielle, qui rapporte évidemment 3 points. Bien sûr, bien sûr. Là, c'était très industriel pour le coup. Celle-là aussi, il va falloir qu'on se la coltine, mais ça donne envie quand on la voit coloriée. Très jolie. Waouh, majestueux. Tellement canon, bravo. Très belle. Magnifique double page. Magnifique colo, très futuriste. Ouais. Magnifique. Super colo, c'est industriel, mais c'est super lumineux. On a envie d'y être. Bravo pour ce magnifique rendu final. Carrément. Magnifique. Magnifique. L'eau est toute détourée en bas. Hein. Ça a dû être long. Le ciel est super bien fait, c'est vrai. J'ai envie d'y aller. Gros coup de cœur pour ce livre, je me rendais pas compte que je l'aimais tellement. Mais c'est trop cool, Grandi. Superbe colo, j'aime bien quand vous craquez à cause des battles, ça me plaît. Bravo pour la double page. On en a eu beaucoup en vrai, vous avez été tellement courageux. Magnifique, j'adore. Merci beaucoup, Celle. On passe à la 36e participation. Juju. C'est un de tes préférés, Kiran? Ouais, je comprends, ouais. Juju qui nous a fait un Joanna Basford dans je ne sais pas quel livre, qui rapporte 3 points à la team nature. Très belle double page, bravo! Oui. Encore une page un peu papier peint. Avec des couleurs, j'adore. J'adore ces couleurs. Sublime. Sublime, très jolie, très belle palette, époustouflant, très joli, très beau. J'adore la palette de couleurs, trop canon, j'adore. Ah, le Enchanted Forest, ouais, sûrement. Super délicat et très joli. Trop joli ce colo, beaucoup de détails en petit et petit en plus. Bravo pour le rendu, c'est vraiment magnifique. Et encore sans fond. Ah si, il y a un fond. Mais il est tellement doux que tout le reste ressort. Et ça, c'est bien, je trouve. Joli, oui, oui, il y a un petit fond pastel, je pense. Qui est très délicat, qui est très joli. Avec les mêmes couleurs qu'il y a au centre. Oui, oui, Kiran, je l'avais pas vu. Ouais, ouais, ouais. J'ai trop de luminosité sur mon écran, c'est pour ça. Trop beau, c'est doux. Avec plaisir, Juju, merci à toi. J'aime beaucoup. J'adore cette palette. Un peu dark, un peu... J'aime beaucoup. Merci. On passe à la 37e, Maeva. Maeva qui nous avait fait un Géomorphia. Oui, Géomorphia. Du coup, évidemment, pour la team industrielle. Hop, 3 points. Pour l'instant, on est à 42... à 45. C'est très serré encore. Rien n'est joué du tout. Incroyable, c'est magnifique. Trop beau. Et ce fond, sympa, splendide. Trop canon, bravo. Ce fond orageux, incroyable. Et quel boulot pour les pierres. Bravo pour les éclairs. Ce fond, j'ai bug. Comment ça se fait, Arcalia? L'orage est trop bien fait. L'ambiance est incroyable.
Waouh, trop beau. Trop stylé avec ce fond orageux. Trop beau. Ça a dû être super long, les petites pierres à faire. Il est magnifique ce colo, j'adore. Tellement beau avec ce fond orageux, c'est super bien fait. Quelle ambiance. Les éclairs ajoutent un côté creepy. Les têtes d'animaux en roche sont magnifiques. Bravo, c'est canon. Il est superbe. Y a pas de soucis, Maëva, t'inquiète. T'inquiète. Bah, c'est cool que t'entendes et que tu vois les colos, c'est le principal. T'inquiète. Merci beaucoup en tout cas d'avoir sorti un colo qui est pas une double page mais qui est tellement détaillé. Qui est plus dur que certaines doubles pages hein, pour le coup. Ça a dû être long. J'imagine que tous les cailloux, ça a dû être bien chiant. Merci beaucoup de t'être cassé la tête. On passe à la 38e participation. Aurore, oui, du mystère, on n'en avait pas vu. Aurore qui nous a fait... je sais pas qui c'est, je suis désolée. Je sais pas qui c'est, je sais pas dans quel livre on est. En tout cas, ça marche. Ah, c'est Tic et Tac, ok. Tic et Tac dans un livre mystère Disney qui rapporte un point à la team nature. Bah, désolée, Kiran. Tic et Tac, trop chou, j'adore. Trop mignon, trop chou. Ils sont trop cute, trop mignons. Tic et Tac, mais sans les vêtements. Ah oui, d'accord, à poil, quoi, ok. Tu vas te faire détester par Arcalia. C'est beau, Tic et Tac. Quel bien. La saison, ok. Je la hais là. Oh, mais je connais pas. J'adore. Il est très feel good ce colo. Ils sont trop mignons. Bravo. Magnifique mystère. Vous pouvez faire du mystère pour les battles. N'oubliez pas. Trop beau. Oui. C'est chou. Ça donne envie de faire du mystère. J'en parle tout le temps, mais oui, mais je sais pas à quoi ils ressemblent, moi, c'est pas marqué sur leur front. Elle aurait dû marquer Tic et Tac sur les personnages. Toute une culture à refaire, mais en vrai, j'aime pas, je suis désolée. J'essaye, mais... Ah. Déjà, j'en colorie, c'est déjà pas mal. Il est super bien fait, sans tracas, tout propre. Ils sont choupi, super... sans traces, pourquoi je dis sans tracas? Non mais... Sans traces... Oui, sans tracas, j'espère pour elle, mais... Superbe. Tout se perd, ouais, voilà. Merci beaucoup Aurore, en tout cas, pour ce petit mystère. Merci à toi. On passe à Camille. Camille qui nous a fait un petit Rita Berman dans le... Oula, qu'est-ce qu'il y a, Arcalia ? Ah, mon... à cause de mon lapsus. Non, mais je te dis, mon cerveau, il est resté à demi sur le canapé, en fait. Nature encore, pardon. Oula, j'ai bugué, là. Là, mon cerveau, il a fait... Attends, c'est encore en nature, oui. 44 à 45. C'est pas le Asian, ça. Magnifique, trop chou. Très joli, bravo. Trop doux, et les fleurs. Trop joli, bravo. C'est tellement mignon. C'est le Asian. Oh, j'adore ce colo. Je savais même pas que je l'avais. Il est trop beau. Ok, ah, oh, c'est trop cool. Je pensais pas l'avoir, celui-là. Il m'a pas marqué. Il est magnifique. Comme c'est joli, très mignon. Ok, oh c'est cool. Je suis contente, j'ai envie de retourner dans mon Asian là du coup. Trop beau, ouais. Quelle merveille et tellement de douceur dans ce colo, j'adore. Et ce petit fond jaune donne ce côté lumineux qui rend bien. Bravo pour cette petite merveille, trop chou. J'aime trop trop ce petit fond, les couleurs sont super belles et vives, ambiance estivale. Superbe, trop joli, très joli. C'est très beau, et il n'y a pas de fond autour, ça va très bien comme ça. Y'a pas besoin, y'a pas besoin. Très beau, ouais. Waouh, superbe. Toujours trop de lettres. Merci beaucoup Camille, en tout cas. Merci à toi. On passe à la 40e colo Disney qui nous a fait un colo nature. Mais c'est quel... Je sais pas que c'est quel livre par contre. Je suis navrée. Je sais plus. Si quelqu'un sait, moi je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. Tout doux, joli. Oui, joli. Très joli. J'aime beaucoup les couleurs pastel. Tout doux. Trop joli.
Jardin secret. C'est Joanna Basford? C'est dans Jardin secret. Ah, pardon, la team nature. 47 du coup. 47 à 45, excusez-moi, pardon, la team nature, je vous ai enlevé des points. J'étais pas sûre que ce soit du Johanna, mais c'est vrai que les papillons ressemblent à du Johanna, c'est les tiges qui m'ont mis un peu dans le mal. Les tiges poilues comme ça, elle en fait pas beaucoup. On dirait Maria Troll. Non, je pense pas. Je sais pas en fait. Ça pourrait être du Maria Troll, ça pourrait être du Johanna Basford. Un petit colo simple mais efficace. J'adore et les papillons sont magnifiques, mignons, très doux et jolis. Merci Colo Disney pour avoir confirmé. Ok, donc il y a bien le bonus. Et bah 47 à 45, la team nature est devant. Ça y est. Ok. Et bah merci beaucoup Colo Disney. C'est bien quand vous êtes là pour nous confirmer. On passe à la 41e, Noced. Allez, on revient sur de l'industriel. Noced qui nous a fait un Alien World. 47 à 48, la team Indus rattrape un petit Alien World très joli, en mode moitié sous-marin, trop stylé, avec plein de splash dans le fond, j'adore. C'est beau, trop beau. Waouh, trop trop canon, joli. Oh là là, ça claque. Waouh, c'est trop beau. C'est beau, waouh, trop joli, très joli, bravo, j'adore. Trop bien. Oui, oui, t'inquiète, Kat, il y avait Colo Disney qui nous a confirmé. Superbe, superbe. L'effet sous-marin, superbe. Donc je vous ai mis les points, hein, la team nature, vous inquiétez pas. Magnifique. Waouh, magnifique. Magnifique. Sublime, ça fait voyager. Ouais. Cette élu me rappelle vaguement Julie. Vaguement. L'eau est super bien faite. Le ciel est waouh. Toutes ces étoiles, que c'est beau. Bravo pour le rendu final, c'est une pépite. Extraordinaire. Merci beaucoup Noced. Merci beaucoup. On n'avait pas vu de Alien World, je crois, ce soir, c'est le premier. Il y en avait plein dans le Alien World qui marchait pourtant. C'est magnifique, ouais, carrément. Merci beaucoup Noced. On passe à la 42e. Aurélie. C'est canon, ouais. Aurélie qui nous a fait un Johanna Basford qui rapporte 3 points à sa team. Hop. Aurélie en plus qui a eu le courage de refaire un colo parce que du coup sa première participation passait pas pour le bonus nature. Qui a eu le courage d'en refaire un deuxième, donc je te remercie, franchement, c'est trop bien. Et les couleurs, enfin, une dinguerie, quoi, voilà. C'est canon, waouh, ces couleurs. Waouh, ces couleurs, joli, waouh, super, bravo, trop joli. J'ai bugué? Ah bon? J'ai bugué? Je ne sais pas. Trop joli, j'adore. Sublimissime avec la couleur parfaite, waouh, magnifique. Les couleurs sont toutes douces. Quelle beauté, il est sublime, bravo. C'est très délicat. Magnifique colo de pan. Oui. Oui, 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 oui. Il y a un petit peu de doré en plus au-dessus, c'est trop canon. Quel pan majestueux et ses couleurs sont tellement jolies. Le dégradé de bleu pour le fond rend super bien. Bravo pour cette magnifique mise en couleur. Très beau colo, ouais. Les toutes petites feuilles en plus, elles sont tellement minutieuses. Oh là là. Ah bon Mélo? Non mais tu rêves, en vrai je buguais pas. Hein. Je buguais pas du tout pour le coup. Très joli, c'est féerique. Je donnais peut-être l'impression, mais c'est que je pense, je ne bug pas. Superbe, très jolie couleur. Enfin si, ça m'arrive de bugger, hein, mais je fais un reboot et puis ça va mieux après. Je vous l'ai dit, de toute façon je suis une IA, donc il faut la relancer. Et puis... Très jolie couleur. Le fond est super aussi, très joli. Ouais, carrément. Tu penses donc tu es. Ouais. Arrête Danou, tu vas me refaire bugger. J'adore. Oui. Je croyais aussi qu'il y avait un bug. Ah bon, à ce point-là? En fait, c'est peut-être ma cam qui a bugué aussi. Hein. Ça, c'est possible. Parce que là, il commence à faire très très chaud avec l'ordi, je vous avoue.
je suis en train de dégouliner, donc vous risquez de me voir glisser, 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 glisser jusqu'à devenir une flaque. Enfin, vous me verrez plus du tout. Très joli. Donc, il se peut que ça frise à cause de mes appareils aussi. Parce que là, je sens que mon ordi chauffe. Mais alors, à fond. Merci beaucoup, Aurélie. On passe à la 43e, Loïne. Ah, je clignais des yeux. Ah, bah ça va, c'est rassurant. C'est que j'étais pas morte déjà. 50 à 51. Laurine qui nous a fait un fantomorphe dans notre livre voyageur, si je ne m'abuse. Merci à toi Aurélie. Très joli, bravo. Waouh, superbe. Très joli celui-là également. Trop bien, magnifique. Waouh, trop beau l'effet or, c'est une tuerie colo. Sublime Laurine, incroyable. Il est beau cet effet or, magnifique. Ouais. Oui, c'est dans le livre voyageur, c'est trop bien. Magnifique. J'ai hâte de le voir en vrai. Couleur en harmonie. Très beau, j'aime beaucoup. Magnifique. Samuel Lipopette, une dinguerie. Les rouages avec cet effet or, c'est fabuleux. Super choix pour la couleur des fleurs. Bravo. Trop beau, j'adore. Trop beau. 3 points supplémentaires pour la team industrielle. Les rouages sont magnifiques. Superbe. Super, bravo, j'adore l'effet or des engrenages. J'aime bien aussi les feuilles un peu bleues comme ça, ça rend trop bien. Ça change. Vous avez un point d'écart les deux teams. Ça. Merci beaucoup Laurine, merci beaucoup. On passe à Yasmine. Oh, une impression de déjà vu, n'est-ce pas? Yasmine qui nous a fait un duo improvisé. Donc 53 points. Ah oui, ça doit être ça, Laurine. C'était la goutte d'eau. En vrai, t'as trop bien fait de les faire bleus comme ça. Joli duo, ouais. Des petites fraises. J'aime bien ton fond. J'aime bien le fait que t'aies fait le tour du cercle et l'intérieur comme ça. Je peux avoir les fraises. Ah bah alors là, faut demander à Yasmine. Superbe. Trop joli. Ces fraises, je veux les manger. Très beau, des fraises. Sympa aussi ce fond. Encore des fraises succulentes. Magnifique, Yasmine. Ouais, carrément. Avec des petites fleurs roses cette fois. Trop joli, oui. Encore de très jolies fraises, trop beau. Encore des jolies fraises, j'adore ce petit effet moins mûr sur chaque fraise. Oui, c'est vrai, avec le jaune. J'adore le fond et les fleurs pastel, bravo, bien vu Kiranoé. C'est joli d'avoir mis du jaune comme ça dans tes fraises, c'est une bonne idée. Ça rend grave bien. Merci beaucoup Yasmine, merci beaucoup pour ce Johanna dépoussiéré. On passe à la 45e, Mélo. Mélo qui nous a fait un Mythic World. Qui fait donc passer la team industrielle à 54 points. Ah, attendez. Ça s'ambiance un peu là, quand même. Youp youp. On va baisser un peu le lofi. On va se calmer. Désolée. Superbe. Magnifique. Très beau. Les fraises sont graves bien faites. Ah. Waouh, sublime. Oh, non, déjà lu. Très beau sphinx. Incroyable. Magnifique. Très joli. Je crois que c'est le premier Mythic World aussi ce soir. Très joli, bravo. On a eu tous les gardiens en fait, finalement. Vous êtes vraiment partis sur des idées super différentes, tous. C'est trop bien. Même pour les gardiens, c'est cool. Belle ambiance, ouais. Il est très beau. Trop joli Mélo, bravo pour ton sphinx. J'adore ce beige, c'est très beau. Trop beau, bravo, j'adore. Superbe. Trop
trop beau avec ce magnifique ciel étoilé. Tout s'harmonise bien avec le sphinx. Non, et le sphinx est vraiment l'élément en valeur avec les pyramides en arrière-plan. Bravo, j'ai de plus en plus de mal à lire là. Magnifique. Très joli. Il aurait marché pour le thème chaud hein, du mois prochain, si jamais. Voilà. Faites du sable bleu et vous avez le bonus, par exemple. Par exemple, voilà, je vous donne des petits tips. Mais c'est vrai qu'il marcherait très très bien pour la team show. On en est à 45. On arrive à la fin. On arrive sur les 10 derniers. Merci beaucoup tout le monde. Merci à toi. Merci à toi. Allez, on passe à la 46e. Laurie. Ouais, carrément Kiran. Laurie qui nous a fait un mariatroll. Je pense pas dire de bêtises. Qui fait que... Ah, égalité parfaite entre nature et industriel. 54 à 54. Joli, ouais. Je vous ai dit que c'était serré, non ? Très beau, très joli, tout doux. Un petit mariatroll tout doux. Le premier mariatroll de la soirée. Joli. Mims. Magique. C'est cool les fonds noirs, on est tranquille. Joli. On la voit pas beaucoup, Maria Troll, pourtant elle est parfaite pour le thème nature, mais grave. C'est le seul, je crois. Très jolie petite fleur pastel sur le fond noir, ça ressort bien. Bravo pour ce beau petit colo tout doux. Choupi. C'est un très joli colo, ouais. Trop beau, oui. Ah, du coup, j'en profite pour faire un petit rappel. Je suis pas sûre que ce soit pour ce colo, mais je crois. Quand vous m'envoyez des photos sans me dire bonjour et sans me préciser pourquoi c'est, je la prends pour la battle, je devine que c'est pour la battle, je prends. Par contre, n'attendez pas que j'y réponde. Voilà. C'est donnant, donnant. S'il n'y a pas de message derrière, déjà je suis sympa, je prends, mais pas de message en donnant, pas de message en retour non plus. Voilà. Je m'embête pas la vie. Déjà, je prends vos participations dans tous les cas, mais quand je dois deviner, je préfère le dire. Parce que... Un minimum bonjour, ouais. Ouais, parce que me balancer des photos comme ça en mode. Voilà. Bon, c'est valable pour tout le monde dans tous les cas. Waouh! Oui. Merci beaucoup, Laurie, en tout cas, pour ta participation. On passe à Luciole. Ah oui, c'est vrai qu'on a un deuxième mythographique. Je croyais qu'on en avait qu'un, mais non, on en a deux. Eh ben, c'est ménagerie aussi, je crois. Je crois que c'est ménagerie aussi. Oui, Kiran, j'en profite, ça me revient. Un point pour... Ah bah, nature. Superbe, joli, superbe, superbe, joli cristaux. C'est beau, bravo. Trop beau. Oui, trop joli. Ah, c'est Frozen Fantasy. Autant pour moi, il est magnifique celui-là aussi. J'étais sur la bonne illustratrice, mais pas sur le bon bouquin. On voit pas les doodles pourtant. Elle les a bien. Peut-être qu'il n'y en avait pas. Trop beau. Ne craque pas. Cet effet glace cristal est incroyable. Trop beau. Très joli cristaux. Bah, franchement, vous êtes les pires avec les mythographiques que j'ai pas là. Superbe colo. Les cristaux sont magnifiques. Quel fond. Les ombrages sont top. Bravo, c'est canon. J'ai mis du gesso. Mais c'est trop beau, Luciole. Tu gères. Craquage. Non, 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 elle a caché les doodles, il y en a, il y a des doodles. Elle vient de dire qu'elle a mis du gesso, elle les a cachés. En tout cas, ça rend bien, tu les as super bien cachés en tout cas. Bravo, bravo. Non, je craquerai pas pour le Frozen Fantasy. Non. Il y a des doodles, je craquerai pas. Je résiste, il y en a plein. Merci Luciole de ne pas me faire craquer comme ça. En tout cas, elle est magnifique ton col. Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de doodle, donc... Très joli, c'est très bien fait, ouais. Cette image est trop belle, c'est un très joli coloriage, j'aime beaucoup la végétation qui tombe. Ouais, les cristaux sont magnifiques. Grave. Merci beaucoup Luciole, merci beaucoup. Mais non, il n'y a pas de doodle dans le ménagerie, je sais, c'est un des derniers. Non mais arrête croque-nous, t'inquiète. On verra quand j'aurai fini mon cosmique.
On passe à la participation de Karine, qui nous a fait un petit boule de poil. C'est la team nature, oui. Je me pose vraiment la question alors que c'est des souris dans des fleurs. Hein. Ouais, ouais, ouais. Trop beau. Merci à toi, Lucien. Encore un petit boule de poil. Je crois qu'on l'a déjà vu pour la team cute d'une autre battle. Superbe. Superbe ces fleurs, c'est si mignon. Ouais. Tout doux, tout mignon. Adorable. Avec le petit effet herbe en point, comme ça, c'est trop stylé. Tout mimi. Trop beau. Joli et mimi, bravo. Trop mignon. Vive Diane Dufour. Ce violet lilas est trop beau. Grave. Trop chou. Les souris toutes mimi, c'est trop chou. Les couleurs des fleurs contrastent bien avec le côté pastel des souris. Bravo, c'est trop joli, mais grave. Elles sont détourées, on dirait, les fleurs. Enfin, tout est détouré, en fait. C'est chouette. Joli! La team nature a 2 points de plus. Vous commencez à flipper ou pas? Je veux juste à savoir, on fait un point avant de terminer, là. Vous avez peur ou pas? Pour vos points, pour vos teams. Est-ce que vous avez peur, un peu? Parce que ça commence à se creuser. Tout à l'heure, ça s'était creusé, mais c'était une feinte. Est-ce que vous commencez à avoir peur? Mais non. Ah non, t'as pas peur, ok. T'as trop la confiance. Pas peur, vous avez trop la confiance. Tout doux cette ambiance. Bravo pour le choix des couleurs. Très mignon. Oui. Merci beaucoup, Karine. Non. Je me sens pas bien, j'avoue. Ah, je préfère ça. J'ai peur. Ah, je préfère ça aussi. Non mais oh. J'ai peur, moi. C'est bon. Ça se retourne toujours à la fin. Bah là, on est à la fin, hein, pour le coup. J'ai l'habitude de perdre. Oh non, Danou! Allez, on passe à la 49ème. Kessie. Hop là, allez, 57. Industriel repasse devant de 1 point. Moi, je m'en fous. Oui, bah oui, toi, t'es gagnante dans tous les cas. Kessie qui nous a fait un Géomorphia. Avec les chauves-souris. Et j'adore les couleurs aussi. Avec le rose là qui ressort bien. Super, très joli. Oh, joli! Wondermorphia. Oui, peu importe. À la base, c'est dans le Géo, je crois. Magnifique, magnifique, très joli. Bah, c'est bien pour industriel celui-là aussi. Très joli, très joli. Oui. Oh, trop beau. C'est très original. Punaise, cette ville dans la grotte, c'est trop beau. Les couleurs sont super belles. Bravo, le rendu final est magnifique. Sublime. Merci à toi, Kessie. Très sympa, les chauves-souris. J'en ai pas vu d'autres. De quoi? De même que toi ou... Très belle double page, bravo. C'est pas une double page, Kat. C'est une page simple. J'adore, c'est un super colo de gagnant. Super colo de gagnant. Eh, c'est pas fini, hein. Il reste encore quelques-uns dans mes hauts. C'est pas le dernier colo. Hein. Trop beau. Arrêtez de vous estimer gagnant, là. Oh. Oh. On enterre pas la team comme ça, là. Merci Kessie. Allez, on passe à la 50ème participation, qui est Manon, qui nous a fait un Joanna Basford et toc. Allez, Nature repasse devant, hop là. Faut que j'arrête d'encourager Nature, on va voir que c'est ma team après. Ou pas. De toute façon, j'ai fait les deux. Superbe. Oui, je sais pas dans lequel c'est. On l'a pas vu tout à l'heure celui-là? Ah, je suis pas sûre. C'est si beau, on a vu tellement que mon cerveau il est rempli de fleurs là. Magnifique, tout doux. C'est si beau, splendide, trop joli. Joli, trop beau, très joli. Joli, très joli. Grave. 59 à 57. Je vous ai dit, c'est serré jusqu'au bout. Bravo Manon, oui. Très beau, ouais. Excellent le fond noir pour faire ressortir les fleurs. Mais grave. Bien pensé de faire les contours plus foncés que l'intérieur de chaque fleur et feuille. Bravo. Trop joli. Oui.
Merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup. On passe à la 51e. Eh ben tiens, Kiran. Kiran qui vous fait des beaux commentaires depuis tout à l'heure, alors n'hésitez pas à lui faire des beaux commentaires aussi. Kiran qui a fait le King Kong dans Imagimorphia. Et quand je l'ai vu, Kiran, je me suis dit, mais attends, genre, ça m'a trop fait penser. J'ai fait exactement les mêmes teintes pour le ciel, et du coup, je me suis dit que c'est trop bien. Genre, on dirait une continuité. Ils se ressemblent pas, nos colos, mais on a eu les mêmes idées de couleurs, et je trouve ça trop stylé. Ça fait comme un duo avec une palette similaire, mais ils ont rien à voir, nos deux versions. C'est trop bien. C'est vrai ? Oui, je te le montrerai après, si tu veux. Il est vieux, hein, c'est un de mes premiers dans Imagimorphia. Trop joli, super, magnifique, c'est magnifique, quelle beauté, impressionnant. Waouh, trop canon, c'est canon, bravo. Une tuerie intergalactique, très beau, trop magnifique. Magnifique, j'adore tout, bravo. Oh waouh, magnifique cette page, ça a pas dû être facile. Le King Kong est juste sublime, ses couleurs, bravo. Waouh, magnifique. Énorme GG, il est incroyable et les couleurs sont trop belles. Formidable. Amazing, j'adore Gondi. J'adore, il est trop joli, la petite brume est super bien faite, bravo. Les contrastes sont top, incroyables avec des couleurs douces. J'adore cette illustration, tu l'as fait ressortir à merveille. J'adore le fond, les nuages, le singe, tout est sublissime. Magnifique. Waouh ! Waouh, splendide, une merveille, mais grave, trop beau. J'adore le fond, j'adore la brume, j'adore les couleurs. Il y en avait beaucoup dans Imagimorphia qui marchaient aussi. Il y a beaucoup de bâtiments dans Imagimorphia. C'est beau. Avec les petits éclairs là, trop stylé. J'aime trop comme tu les as fait. Merci beaucoup Kiran, j'adore tout, il est sublime. Merci à toi, il est trop beau. J'ai mis les points ? Non. 59 à 60. Merci. Super, bravo, l'effet poil est trop bien fait, c'est vrai. On passe à... Non mais regardez comme il est petit le mien. Il est flou ! Voilà, voilà mon colo. C'est un pixel art en fait. C'est un pixel art Jonah Basford. Allez, 62 points pour la team nature. Vous étiez ma team, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous encourageais depuis tout à l'heure. Mais j'en ai marre, ils sont flous. Pourquoi ils sont flous comme ça? Regardez. Qu'est-ce que c'est? Ah, on aurait dû faire un mystère. Alors, à votre avis? Merci. Tu en voulais un? Bah voilà, il n'y a qu'à zoomer sur mes Joanna Basford, ça fait des pixels. Merci tout le monde. Bon, vous l'avez... Si vous regardez mes vidéos, vous l'avez vu, ça va. C'était pas une surprise, dans tous les cas. Merci. Tu peux même le transformer en DP. Je vais vous faire vomir à force de zoomer. Désolée. Merci. Allez, on passe aux dernières participations. Hop. Non ! Mon bouton, il fonctionne plus. Oui, c'était chiant. Il était chiant à faire, pour le coup. Il est plus joli dans ta vidéo. Ouais, j'espère. Allez, on passe à la suite. On a encore des merveilles à regarder. Je vous invite, comme d'habitude, c'est les derniers. Je sais, en général, vous êtes un peu en mode « Oui, j'ai gagné » ou « J'ai perdu ». On continue d'encourager et on pleurera après. Voilà. Azaira qui nous a fait un magnifique portrait pour la team industrielle, j'adore son interprétation du thème. Je kiffe. Merci Kiran. J'adore ce sépia, superbe. Un mec, comment ça donne? Oh my god, il est superbe, sublime, waouh, ça change. Dis donc, qui est cet homme? Bah c'est Monsieur Industriel, c'est le représentant de votre team en fait. Trop stylé, un portrait encore incroyable et en plus un homme. Oh my god, il est musclé, ça donne chaud. Danou, j'adore. Il est dans quel livre? Je pense que c'est du Christine Caron, mais j'en suis pas sûre. Très joli. Oh mon dieu, ce colo est si beau. Parfait. Canon de monsieur. C'est beau. C'est tellement rare les portraits d'hommes. En vrai, il y en a beaucoup dans les Christine Caron. Je pense que c'en est un, mais je suis pas sûre. Faudra demander à Zaira. J'adore l'illustration, ça change tellement et très jolie mise en couleur. De toute façon, c'est la reine des portraits, hein, Zaira. Très beau. Surprenant, original, bravo. Superbe, oui. Avec des beaux reflets. C'est le feu qui donne chaud. Oui, c'est ça, c'est le feu, Lorine. Après, il fait chaud, hein. Ah, là, là.
C'est juste excellent, les colonnes sont top, le tablier j'adore, et les ombrages sont très bien placés, bravo. Mention pour la beauté de l'enclume, elle est tellement réaliste, elle a fait de la texture dessus. C'est archi beau. Le fond est top, tout est réussi. Oui, je pense que c'est Christine Caron, ouais. En plus, ils sont pas évidents à faire, non. Ah, Nadia K. Ah bah t'es là, Zaira. Coucou. Nadia K, ok, c'est pas la Christine Caron, ça ressemble. Ça ressemble. Mais de toute façon, t'as toujours des portraits de fous qu'on voit pas souvent. En général, le nom... Ah oui, c'est vrai. Oui. Non, mais du coup, voilà, c'est Nadia K. Ça change comme illustration. Très belle mise en couleur. On sait pas quelle température il fait chez Danou, c'est vrai. Bah là, en tout cas, il doit faire au moins 40 degrés autour de Danou. Allez, merci beaucoup, Azaïra. On passe à la suivante. Oh, un duo improvisé. Kat Luna a fait un duo improvisé avec Maeva, du coup. Qui rapporte 3 points, 64 du coup, à 62 pour la team industrielle. Ok, t'es arrivé pile pour ton colo, Zaira, c'est trop bien. C'est Monsieur Indus, ouais. Donc de nouveau dans le Géomorphia. Sublime. Bah il est coupé. Ah, c'est la photo, hein, c'est pas moi. Je plaide non coupable, je ne coupe pas les colos. Je les floute parfois, les miens seulement et ceux de ma mamie. Je ne coupe pas les colos, c'est pas moi. Moi je récupère vos colos tels quels. Je ne cut jamais vos colos. Ce serait vraiment trop chiant. Oh, le duo, très joli. Soudain, j'ai chaud. Danou. Respire, Dan. Très joli, trop joli. Splendide, trop joli. Magnifique. Il fait peur, mais il est réussi. Joli duo improvisé. Encore un magnifique ciel étoilé. Les trois têtes ressortent bien, je trouve ça excellent. J'aime beaucoup l'ambiance générale de ce colo. Bravo. Très joli, en tout cas. Ouais. J'aime bien le petit reflet jaune aussi au niveau de la magicienne en bas. Il est beau, ouais. Prends une douche froide. Ouais, attends la fin de la battle et prends une douche froide. J'aime beaucoup le fond de nuit, ça change d'ambiance par rapport à l'autre version. Ouais, carrément. C'est trop bien d'avoir des duos improvisés. J'adore. On voit différentes facettes. C'est pas grave, Kat, y a pas de souci. On voit quand même ce que c'est, hein, t'inquiète. On dirait la caverne dans Aladdin. Ah oui, oui. Ça, j'ai la rêve, Grundy. C'est un des seuls Disney que j'aime bien. Elle est en train de se rafraîchir avec des glaçons de ouf. Merci beaucoup, Kat. On passe à la suivante. Grundy. Grundy qui nous a fait un Alien World. Un petit deuxième Alien World pour ce soir. Super idée, franchement, au top. 67 points pour la team industrielle. Waouh. Waouh, magnifique, ça me fait trop penser au château dans le ciel. Je sais pas vous, mais... Waouh, superbe. C'est canon, il est sublime, j'adore. Magnifique, j'adore les couleurs. Magnifique, très beau. Waouh, très joli. Magnifique, trop beau, on dirait le vaisseau de la baleine dans l'animé. Superbe, magnifique. J'adore les teintes orange comme ça, orange cuivre là. C'est canon. Le dégradé cuivre, c'est canon. Exactement la même phrase. On est connecté, Magic Création. Alors la chapeau, c'est limite du duochrome, ça rend tellement bien. L'écume de l'eau est super bien réalisée, bravo, j'adore. C'est pas le moment de s'éteindre, ma télé. Est-ce qu'on a fini, non? Alors ne t'éteins pas. Merci beaucoup, Grundy. Merci beaucoup, il est magnifique. Ça donne trop envie de retourner dans le Alien. J'adore le choix des couleurs, ouais. Carrément. Merci. On passe à Mylène. Oh bah tiens, une impression de déjà vu. Ah, il est flou aussi, le sien. Pourtant, c'est pas un colo de ma mamie ou de moi. Oh, c'est super, Grundy. Bah, tu peux être fière, en tout cas. J'adore le choix des couleurs, oui. Un trio improvisé. Désolée, elle est floue la photo. J'ai rien fait avec, hein, je l'ai pas. Attendez, je peux vous refaire le pixel si... Pardon. J'arrête. J'arrête de faire nimp. Je peux le faire avec les miens, mais pas avec ceux des autres. 70 points. On est toujours dans le World Within Worlds. Encore une version très différente. Un peu plus sombre, je trouve, un peu plus dark. Mais c'est très canon aussi. Ça fait un peu plus ville polluée. Joli. J'adore. Très joli. Superbe. Vintage. Trop beau. Joli. Super choix de couleur, il rend trop bien, ouais.
grave. Désolée pour le flou. Superbe, trop beau et très différent, c'est sympa. Troisième version de cette illustration, trop cool. J'aime beaucoup les teintes. Très beau, trop joli. Magnifique version. Je sais pas combien il en reste, je les ai pas numérotés les derniers. Encore un superbe livre. Les bâtiments de la ville ont de jolies couleurs qui rappellent bien les différents métaux. Le ciel fait un peu pollution, mais c'est tout à fait ça. J'aime beaucoup, bravo. Ça a été super bien fait. Je pense que c'était le but, mais c'est très réussi. Merci beaucoup, Mylène. Merci beaucoup. On passe à la dernière, pour le coup. Il n'y a plus de petites flèches, ça doit être la dernière. Miss Pondy qui nous a fait ce petit Johanna Basford qui malheureusement ne rapporte pas 3 points à la team nature. Bon, de toute façon, ça vous aurait pas fait gagner. Mais voilà, j'ai dû refuser à cause de la porte et des fenêtres. On l'a déjà vu en début de battle. Une version très très différente, qui est très belle, qui rapporte 1 point à la team industrielle. 71 et 72. Voilà. En tout cas, elle est magnifique, sa version. Elle est très flashy. Trop mignon, très joli. Joli. Trop mignon. Tout mignon ce champignon, super mignon et ça change, adorable, très joli, trop mimi et très joli, très joli. Le fond fait bien ressortir le champignon, carrément, bah là il y a un super travail sur le fond. Faut se dire que normalement le champignon il est posé au milieu de nulle part. Magique, quelle lumière, l'effet lumineux est très réussi, une vraie merveille, féerique, j'adore, bravo, grave, bravo Miss Mondi. Et désolé pour le bonus, et bisous Sandili. Désolée pour le bonus, Miss Pondy. Très joli. Rouge et bleu, ça match très très bien. Ça match très très bien. Très lumineux, c'est très beau, mais grave. Carrément. Et bah écoutez, bravo la team industrielle, qui finalement a pas eu énormément de points en plus. 71 à 62, ça reste quand même une battle assez serrée. Vous vous êtes pas fait exploser. En vrai, il y aurait eu... Je pense que ça s'est joué au bonus que j'ai refusé. J'en ai refusé genre 5-6. Si je les avais acceptés, la Team Nature aurait gagné. Donc voilà. Désolée. Bravo tout le monde. Bravo, bravo. Allez, je vous donne vos petites tentacules. De toute façon, on va pas se quitter tout de suite. Hein. On va colorer un peu. Encore perdu, désolée Dadou. J'ai bien fait de trahir ma team. Oh my god. Oui, tous vos colos étaient magnifiques. Merci beaucoup. Vous avez été au taquet. Résultat. Industriel a gagné. Allez, 204 000 tentacules de redistribuer. N'hésitez pas à nous dire combien vous avez gagné. Oui, ce qui vous avez gagné. 72 à 61. Bravo. Bravo, bravo. GG. 20k sur l'autre, ah ouais! Ah quand même, ok. Ok, ok. Et bah écoutez, moi je vais patouiller un peu. Ouais, les colos étaient très très hauts. Misez 11k, gagné 16, ça va. Vous avez quand même gagné un petit peu, ça me rassure. Ça me rassure un peu. Et est-ce que vous avez réussi à colorier pendant la battle? Oui, c'était cool. On n'a pas l'habitude de voir autant de Johanna Basford, non ? Ça fait plaisir. Je suis une petite parieuse, y'a pas de soucis. Ah ! Attendez, on va chercher la récompense pour Alfie. Patouille, patouille ! Oui. On va essayer de terminer la base, ce serait cool. Je regardais les colos, mais t'as trop bien fait, Carole. Ah, nuancier Danou, ok. Ok. Alors, on va sortir le Halloween de Jasmine Becker. Dans lequel j'aimerais trop aller. Ah, Magical Earth. Attends, je te fais ça. En mode larve dans mon canapé. Ah ouais, tu m'étonnes. On va chercher un colo qui fasse Révolution française. Ah, tranquille, Kat. Celle-ci, au niveau de la robe, elle est vraiment pas mal. Hein.
elle aussi, elle est pas mal avec sa coiffure. Elle est mieux. Coiffure un peu... Ouais, on sait Danou, mais j'ai trop envie d'aller dans Jasmine Beckett. Le Anna Carlson, j'ai fait une double page il y a pas longtemps. Jasmine Beckett, ça fait 45 ans que j'y suis pas allée. J'étais pas née la dernière fois que j'y suis allée. Imagine. Imagine le truc. J'ai 74 ans. Oh la vache! C'est violent un peu. T'exagères. Pourquoi j'exagère? Pourquoi Danou? Oh! C'est quoi cette... C'est quoi ce jugement là? Celui-là il allait très bien aussi, mais il est fait. Du coup c'est un peu con. Eh bah écoute, on est d'accord que celui-là il est parfait pour la Révolution française. Elle a une tête coupée sur elle. 40. Ah! On est d'accord que c'est parfait. Elle a une tête coupée et elle a cette coiffure. Enfin, c'est parfait, genre. Je vais clairement faire une Marie-Antoinette là. Vous êtes d'accord avec moi? Rassurez-moi. La tête coupée. Il y en a même deux en fait. Celle de son mari et celle de son fils. Pardon, c'est horrible. Désolée, Marie-Antoinette, pardon. Oh, trop cool. Oui, s'il y en a qui veulent me suivre dans celui-là. Je vais le faire dans la semaine. Ou peut-être demain, ça dépend. Ça dépend combien de temps je mets pour finir les montgolfières, surtout. Celui-là est bien. Ouais, il est top. Je suis trop contente, j'adore faire les plis. Il y a plein de plis là, je kiffe, j'adore. Parfait pour le thème. Au top. Merci Alfie. Alors, Mamie. Ah, Mamie et Maïsa. Ah ouais, ok, vous me bombardez là. Alors, on avait déjà Arcalia dans le Magical Earth. Hop. On tire au sort. Là, vous me bombardez en fait. Vous êtes comme ça. C'est votre genre, ça. De me bombarder. 46 colos. Généré. Ah, le 44, sérieusement. Le 44, il va être fait. Hein. Comment dire que j'ai fait la moitié du livre? Donc, le 44, c'était celui-là. Donc, on va prendre le plus proche. On va tourner pendant un moment jusqu'à avoir le plus proche. On va tourner pendant un moment. Ok, c'est lui, je crois. Peut-être après, non? Non, c'est lui. Ok, ce sera lui pour Arcalia avec cette palette, du coup. Voilà. Tada. Merci Arcalia. Il est chouette celui-là, c'est un de mes préférés du livre. Il m'en reste plus tant que ça que j'ai pas envie de faire, entre guillemets. Suki. Tu as peur, Suki? Alors, Mamie, dans quel livre tu veux ton colo aléatoire? Maïsa aussi. Dites-nous tout. Je vais vous noter dans ma pack, déjà. Les récompenses... On a... Révolution française pour Alfie. Mythographique pour Arcadia. Colo aléatoire pour Maïsa, colo aléatoire pour Mamie. Ça en fait du monde là. Vous m'avez agrandi ma pack d'un coup. J'ai gagné 15 tentacules. Ah oui! Ah mince, Grundy! Un Dromen vent. Oh. Oui. Ok. Oh purée de pommes de terre, je sens que je vais regretter. Je sens que je vais regretter le. Oui, très bonne idée. Allez, un pas trop long, un normal, genre. J'ai peur. J'ai toujours un peu peur avec le dos. J'ai très envie d'y retourner, mais j'ai un peu peur quand même. 84 colos. 13. 13. 1. 2, 3. 4, 5. 6, 7. 9, 10,
11, ce sera le prochain à droite. 12, 13. Ah, c'est une double page, mais elle est chill. Mamie, c'est chill. On a de la chance, regarde. Ouais, ça va, croque-mou. En vrai, regardez. Bon, il y a beaucoup de détails quand même. Il y a des cerfs qui font la taille de mon ongle, mais ça va. Genre, c'est pas la pire. Elle est belle, en plus. C'est une très belle page. Enfin, elles sont toutes belles, l'ombre même, mais ça va. On relativise. Ça va, elle est cool. Elle te plaît, mamie? Là, il y a moyen de sortir les stylos gel, hein. C'est tout petit. C'est des détails rikiki. Ah, et toi, Maïsa, le Fragile World. Ok, super. Bof. Ah mince! Non! T'as pas de chance sur tes colos aléatoires. À chaque fois, tu tombes sur des trucs que t'aimes pas trop. Parce que Kiran, il y a une limitation. Voilà. Parce que sinon, je suis complètement débordée et ça me stresse énormément. En fait. Du coup, il y a une limitation depuis un petit moment, depuis un peu plus d'un mois. J'essaie de m'enlever tout ce qui me stresse et les récompenses, j'adore. Mais quand j'en ai 40 dans un live, je suis archi stressée après. Genre, je panique et tout. Je suis en mode oula. Là, déjà, tu vois, j'en ai beaucoup. J'aurais jamais fini mardi. Donc après, ça va encore redécaler, tu vois. Laisse tomber. Après, ça s'accumule et puis. Et puis, je meurs. Voilà. Carrément. C'est pas le but. Pas du tout, non. Fragile World, c'est vrai qu'on le délaisse un peu ce pauvre. Ah non, c'est pas le Fragile World, c'est le 3W. Ah. Ah mais non, il est dans ma pack, je suis bête. Mais non Elsa, mais allez-y, hein, lâchez vos récompenses. Vous inquiétez pas, il y a une limitation dans tous les cas. Vous avez des limitations. Donc si vous pouvez encore prendre des récompenses, prenez-les, hein. Il n'y a pas de souci. Je les ai calculées, mes limitations. Elle fait les 40 colos en 10 jours. Exactement. Après, je suis bientôt en vacances, hein, donc bientôt, vous pourrez encore plus me bombarder. Mais non, t'inquiète, Elsa, vas-y. Les palettes, je peux les accumuler avec d'autres trucs. Ça attendra le prochain stream. Bah oui, du coup, il n'y a plus de... Il n'y a plus de colos aléatoires dispo. Je pense que... Je crois que c'est 2. Alors, Fragile World... Il y a 87 colos dedans. 63. Ah mais attendez, on n'est pas tombé 40 fois sur ça? Attends. J'ai dit combien? 87. On a qu'on le livre en français pour m'aider. Je peux pas t'aider, j'ai pas mon livre. Ah ! Attendez, on va s'arranger. Je comprends pas ce qu'il y a autour en plus. Parce que des fois on arrive à deviner un peu, vite zef, mais. C'est possible que ce soit ça. Wouah ! Elsa ! Wouah ! Attends. Pandi. Attends, c'est juste... Non, il y a le pandi avant la double page qui est encore avant. Ouais, c'est ça, c'est bon. C'est bon parce que là, ça fait panda, la double page et l'autre double page. C'est bon. C'est les dugongs, ok. Ça ressemble beaucoup à l'Hurluberlu. J'aime beaucoup, ça ressemble beaucoup à l'Hurluberlu. C'est ça. Eh ben, écoute, allons-y, let's go. De toute façon, il me reste pas les celles que je préfère dans le livre. Hein. Les pages aquatiques, bah, va falloir les faire, quoi. Il reste beaucoup de pages aquatiques. Les baleines, les trucs comme ça. Et oui, mais il va falloir se les coltiner, de tous les cas. Ah, il n'y a pas que ça, mais... Je pense que je t'accompagne. Oui, trop cool. Trop cool. S'il y en a qui veulent l'accompagner, bah, je la ferai dans la semaine, hein, dans tous les cas. Des bisous, Souki.
Oui, trop bien, Maïsa. Ah, c'est cool que tu l'aies pas fait. Ça, c'est cool. Voilà. Et une petite palette, on a dit. Palette 1 ou palette 2, du coup? Je vais noter la palette dans ma pack. Arcalia, dedans, j'en ai fait. Palette Elsa 2. Ah, ça va me faire lever un peu parce que j'ai trop chaud. Je vais ouvrir la fenêtre en même temps. On va terminer la petite base, mais je vais ouvrir la fenêtre. Je pense qu'il n'y a pas trop de passage à cette heure-là, donc c'est ok. Parce que là, je suis en train de crever de chaud. Voilà. Alors, la palette 2. Celle-ci. Je prends. Attendez, je vais vous les lancer. Hop, celle-là. Celle-là. Et hop là. Celle-là. Oh, elles sont très variées. Tac, 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 tac. Oh, mais j'ai chaud. Je suis en train de mourir de chaud. Des bisous, Kiran. Pas de soucis, Kat. Alors, vous allez entendre des gens rigoler et probablement dire n'importe quoi. J'espère pas trop n'importe quoi parce que ça passe en replay sur YouTube. Donc, voilà. Ouais. Twitch, ça va, mais YouTube. Donc, je compte sur les gens dehors pour pas dire trop n'importe quoi. Ah oui, y a pas de soucis, Kiran, j'y avais pas vu. Je te laisse choisir. Les trois sont très stylées, je trouve. En vrai. Elles sont chouettes. En haut à droite. Allez, c'est parti. Le paysage, il est incroyable là. Pour les colos marins, ouais. Grave. Oui, au pire, Laurine, je peux. Mais mon appli de coupe live là, que j'utilise pour mes live yoga, elle fonctionne pas. Je sais pas ce qui se passe. C'est la catastrophe. J'ai pas pu vous mettre le replay. En fait, le montage fonctionne et l'exportation, ça fait crasher l'appli comme si le fichier était corrompu. Enfin, ça m'a saoulé, du coup j'ai abandonné. Après avoir exporté, je crois, 8 fois à peu près, refait le montage 3 fois, enfin, ça m'a fait péter un câble. Hop, je mets ta palette sur le côté et je choisirai dans quel colo je la fais. Allez, je termine ma petite base. Il est mon bébé pinceau. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah, il est là, il est devant ma table. Ok. Ok. Allez. Termine ça tranquillement. Je me disais que ça ferait peut-être moins de bruit dehors, mais en fait, j'ai omis le fait que c'est la fête de la musique en ce moment. Et du coup, bah, il y a énormément de passages, de gens et tout qui viennent en ville le soir. En plus, on est samedi, donc voilà. Du coup, je m'excuse. En plus, il y a des motos et tout. Bingo perdu. Quoi? T'as perdu le bingo? Oh non! Des petites feuilles. Ah oui. C'était il y a 2 semaines déjà le live de 10h. Ça passe vite. Ça passe vite. Sachant que je vais. Donc là, il me reste encore 3 semaines de boulot. Sachant que. Ouais, 3 semaines, mais la dernière semaine, genre. On va pas faire grand chose, ce sera quasiment comme si j'étais en vacances. Et après, je pourrais vous faire. Bon, après, ça dépendra de mon deuxième boulot, mais je peux vous faire. Enfin, je pourrais vous faire un troisième live colo dans la semaine, en bonus. Voilà. On verra ça, mais. Enfin, voilà, ça va arriver. En tout cas, pendant les vacances d'été, c'est sûr.
de live colo, c'est pas assez. Après, à la rentrée, je serai un petit peu plus dispo parce que du coup, j'aurai plus. Mes cours de yoga seront décalés en fait. Donc, j'aurai une soirée où déjà je suis un peu plus libérée. Parce que ça me fait rentrer très très tard les cours. Et là, je le ferai plus qu'une fois par semaine au lieu de bouger deux fois en train par semaine. Ce qui est quand même assez fatigant et qui du coup me dégage une soirée où je peux pas live aussi. Voilà. Oui, ça va être cool. Vous allez pouvoir vous faire un max de tentacules. Ouah, ça fait du bien le frais là. Il y a du vent. Oh, il fait quand même 24 dehors. C'est quand même pas la nuit la plus fraîche du monde, hein. Mais bon. Bonsoir Titange. Bonsoir. Je suis en train de faire la base de mon Kirby. Je sais pas si on fera le Mythic World du coup mardi. Je me dis qu'on pourrait peut-être faire une des récompenses. Genre, je sais pas lequel. Peut-être le dragon ou je sais pas. Je me dis que le Dromon il pourrait être intéressant en live, je sais pas. Puis le Mythic on l'annule pas, on le décale. Ce n'est que partie remise. Pourquoi pas? Ouais, c'est ça, Titange. Au crayon aquarellable et après je vais retravailler au crayon. Bonne nuit, Carole. Bonne nuit. Puis après, je viendrai. Alors, hors live, hein, je viendrai faire. Un fond très coloré à l'aquarelle que je laisserai bien sécher et je le retravaillerai peut-être à l'encre. En parlant d'encre, j'ai dû recommander une encre noire Distress Ink là. Comme je voulais pas passer par Craftelier parce que bah il faut faire des grosses commandes pour pas payer de frais de port, je suis passée par Amazon et j'ai payé 12€ mon encre. Voilà. Je la reçois lundi normalement. Je vous avoue, j'ai un peu pleuré, mais ça va. Après, j'en mets dans quasi tous mes colos, donc c'est un peu le must-have, mais 12 balles. Oui, Mélo, oui. Ça, c'est tout à fait adapté, là. Même Loki sur le balcon, il est choqué. Non, mais grave. Mais en plus, ce qui est absolument improbable avec Amazon, c'est que t'as des encres distress qui vont être à 6€, donc un peu plus cher que la normale, mais ça va, et d'autres à 12. Ou même 15. Enfin. Non, en fait. C'est trop. Bah ouais, je m'en sers, Gaveny. Donc, tu vois, c'est pas un achat où je me dis, je peux attendre. Parce que, genre là, j'ai une encre bleue qui commence à déconner, mais je sais que l'encre bleue, je m'en sers pas tous les jours, tu vois. C'est pas grave. Si j'ai plus d'encre bleue, de cette encre bleue particulièrement, je la reprendrai quand je ferai une commande craftelier. Mais l'encre noire. C'est un peu un must-have. C'est un peu comme quand j'ai plus d'encre Winsor & Newton, tu vois. Ce qui tue, c'est que j'avais racheté une Edge Mahogany, donc l'encre rouge, et elle est toujours pas terminée, mon encre Edge Mahogany. J'aurais mieux fait d'acheter du noir. Des couleurs à prendre en priorité. Pour l'aquarelle, bah en vrai, les couleurs primaires. Hein. Tu peux tout faire avec les couleurs primaires. Donc je te conseille de prendre les couleurs primaires. Comme ça, t'as toutes les couleurs possibles et inimaginables et tu fais tes mélanges. Il existe des petites palettes qui sont déjà composées avec les couleurs primaires, hein, si tu veux pas trop te poser de questions. En général, les petites palettes, les toutes petites là de chaque marque, elles sont bien réparties. Ils te mettent un peu toutes les couleurs possibles pour arriver à faire tes mélanges. C'est bien foutu comme truc.
Mais de rien. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas. Là, je fais toute la verdure, c'est pour éviter que ça se mélange le vert avec, avec le rouge et que ça me fasse des couleurs improbables. De toute façon, on fait juste la petite base, ce sera déjà bien. Comme ça, ça laissera mon livre bien sécher cette nuit. Je me fais pas trop de soucis avec la chaleur qu'il fait pour que le livre sèche, ça va. Et puis demain, je viendrai retravailler gentiment au crayon. Je sais pas du tout lequel je vais faire demain du coup, après celui-là. Je verrai ce qui me tente le plus. Je pense que le Drummond, ouais, on le fera en live mardi, ça me semble être plutôt adapté. Je fais une double page dans le Animorphia. Oh cool! La tête de la panthère à l'aquarelle, génial. C'est trop bien l'aquarelle. J'aime beaucoup. Oula, je sens que là il y a un groupe qui arrive qui va dire du grand imp. Ne faites pas attention à ce qu'ils disent, d'accord. Je compte sur vous pour faire abstraction des groupes un peu bourrés du samedi soir. Voilà. Mais ça fait du bien d'ouvrir, hein, je vous avoue. Là je commençais à me coller au siège avec la battle. Je commençais à avoir le dos qui se colle au siège. Ouais, bouchez vos oreilles. Mais c'est bon, ils sont passés. Mais... Ouais, surtout bouchez vos oreilles. Oula, je crois pas que ce soit tout à fait passé en fait. Merci beaucoup, Granny. Merci beaucoup pour ton tir. Merci. Merci. Tu vas avoir ta petite coupe. Là, il y a une libellule, elle est pas faite, mais c'est pas grave. Hein. Elle viendra au stylo gel après. Les pages comme ça d'Imagimorphia où genre il y a des doodles, mais des doodles bien distincts, c'est super agréable à faire, je trouve. C'est pas comme. Comme genre les pages, par exemple, où il y avait les coquillages, enfin les instruments coquillages là. Parce que ça, en fait, on voit rien. Genre, tous les doodles sont mélangés, ils sont improbables. T'as 40 000 doodles qui se croisent et tout. Ah oh, mais avec plaisir, Grenady. Merci à vous. Je vous ai presque déjà terminé le prochain vlog, d'ailleurs. Des bisous, mamie. Bonne nuit. J'ai fait les doodles en mode arc-en-ciel. C'est grave une bonne idée. On peut en faire tellement de choses avec les doodles. On peut soit les faire un par un, soit les cacher, ou... les englober dans autre chose, ou faire des effets arc-en-ciel, des effets... Enfin, on peut tout faire avec des doodles, en vrai. Après, des fois, ils sont plus ou moins chiants selon les colos. Là, ils sont pas chiants, ils sont gentils, voilà. C'est des gentils doodles, ça. Ça va pas m'énerver, je le sais. J'ai mis 40 000 tonnes d'eau sur cette fleur. C'est pas très malin. C'est pas très malin. Hop. Donc ouais, du coup, je disais, j'ai presque fini le vlog. En fait, c'est pas que je veux pas le continuer lundi ou mardi, c'est que... il fait déjà... presque une heure, donc bon, après j'ai pas envie de vous faire des vlogs de 3 heures, moi je sais que j'aime pas regarder des trucs qui font 3 heures, c'est trop chiant, je me dis c'est pas grave, comme ça c'est bien, il est déjà plutôt varié, vous avez un speed coloring, un haul, speed coloring commenté, hein, pas... un haul, des colos finis bien sûr, de la PAC aussi. Enfin voilà. Il est quand même bien
bien chargé. Puis en plus, j'ai tenté un petit peu un nouveau truc. J'essaye de plus en plus de mettre dans les vlogs des moments de... Comment dire? Bah, hors bureau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Genre, là, je vous ai emmené avec moi à Action, donc j'ai commencé à expérimenter un peu les plans vlog, etc. Truc que j'ai jamais fait, mais c'est intéressant en vrai. C'est intéressant. C'était un peu long à faire, genre ça m'a pris quand même un moment ce matin, mais je vais m'y faire aussi, c'est le temps de... Bah, il y a de la musique, mais il est commenté, Mielo. Il est commenté, donc peu importe. Je parle sur ce speed coloring. Ouais, grave gaming. Non mais oui. Mais c'est marrant à faire. Franchement, c'est assez fun. Genre, tu choisis... Oui, c'est un peu long Grundy à monter, mais c'est cool. Bonne nuit abstrait. En vrai, c'est cool. Donc, ça va. Ça m'a amusé, j'avoue. Bien. Ça fait vraiment un bruit horrible hein, les skates. Bah c'est cool Gamely. Bonne nuit abstrait. Bonne nuit Yasmine. On a bientôt terminé notre petite base. J'aurais plus qu'à André. Et ben je crois que... Ah non, j'ai oublié deux petits trucs. Ah mince, Gamely, ça c'est chiant. C'est chiant. Ok. Je vérifie. Quand il y en a 40 000 en général, ouais, j'en ai oublié, bien sûr. J'ai oublié une tulipe. Je crois que j'avais déjà oublié de l'ancrer tout à l'heure. C'est la tulipe maudite, mal aimée. Voilà. Et du coup, je ferai un fond genre rose, orange, jaune en mode un peu magique. Et puis après, bah, je vais tout ombrer, bien sûr. Voilà. Voilà pour ce colo. Oui, bien sûr, Gamely, mais bon. Voilà, voilà. À quoi ça va ressembler en termes de couleurs. Eh bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. On se retrouve mardi. Bon bah du coup je sais pas exactement ce qu'on fera, on verra. Ça dépend de ce que je fais demain et puis lundi. On verra. Merci Arcalia. Merci. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Bah non c'est clair Gamely, c'est clair. Merci Mélo. Des gros bisous tout le monde, bonne soirée.